What's up, my people? It's your boy Mabé. You already know what it is. Alors, bienvenue dans l'émission Très délicante. What's up, my people? It's your boy Mabé. You already know what it is. Alors, bienvenue dans l'émission la plus dénigrante du web ivoirien. Ouais, premier épisode, troisième épisode, on est calé aujourd'hui. Et puis, Dieu fait grâce. Merci encore de nous suivre, les Mogos. On voit vos messages sur le net. Merci à tous ceux qui donnent la force en ensemble. Comme vous connaissez, aujourd'hui encore, je suis avec mon gars, le Big Flash. Ça dit quoi? Kali et toi. Qu'est-ce que ça? Tu mets dans Nat au moins deux jours. Ben, allez, la sauce, c'est Natin, les gars. Non, c'est flosté. On dit c'est flosté. C'est flosté de haut. Pas t'amuser, ça. On est là. Shout-out à tous les gars qui donnent la force. On voit les commentaires. Il n'y a rien. Les mauvais commentaires aussi, on voit. Hein. Yeah. Mais en tout cas, on est ensemble, les gars. Il y a faux l'équipe. En tout cas, il n'y a pas bruit. Vous connaissez toujours avec mes Mogos. Il y a des shooters à Lille, des shooters à Toulouse, au Canada, des shooters au Canada, tout ça, là, en ensemble, la famille. Donc, je suis avec mes gars en ligne. C'est comment le Christian, le big scientist, ça dit quoi? C'est comment? Car les femmes. Aujourd'hui, j'espère que tu es en position dénigrée. Hein. Ah, toujours. Il y a pas bruit. Le fond, on dit long. Le fond, ton fond, il y a un feuille en tout cas. Likma, Malik, ça dit quoi? Family. Namzin. C'est quoi, oh? C'est Maillot. Petit Améja, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est comment tu es en position, non? Toujours positionné. Il y a pas bruit, c'est fort, on est ensemble. Il y a un feuille. Donc, restez branchés, les Mogos, vous connaissez. Nolive, depuis le Canada. Coucou tout le monde. C'est un joli voix aussi. Il y a lui. Merci. C'est gentil. Il y a un foyer, j'espère que vous êtes en position. On va dénigrer tout à l'heure. Bon. Aujourd'hui, on a deux grosses têtes. Le Fla. Moi-même, je suis bon, tellement que... Genre, je suis content, tu vois, non, les têtes sont grosses. Ouais, les têtes, on dit têtes de boob là. Calme-toi. Chagat à boob. Chagat à boob, hein, Belek, chagat à boob. Il y a un qui fait Youssoumba. Le Boba. Qui fait Youssoumba? Voilà, parmi les invités, il y a un qui fait Youssoumba. Le deuxième aussi, lui fait, comment on appelle ça? Amapiano. Où ils sont? Caméra, sur le côté. Qui fait Youssoumba, qui fait Amapiano? Attends, on va savoir. Mais ça, il veut savoir. Mais les endroits, le G, ça dit quoi? Ouais, les dénigrants, dit quoi? Belek, appelez-le pour lui appeler. Ou bien, c'est lui. Béli! Belek, tu as mis dans noir, hein, qu'est-ce que c'est? Ouais, noir-rouge. Noir-rouge, qu'est-ce que c'est? Tu es dans un billionaire club. Hein. T'as rien. J'ai brûlé mon dernier départ. Belek, non, il y a un gars. Il a fait podcast une fois, ils l'ont clashé. Mais qui ça? Il est têtu. Il avait fait podcast. On dit, non, ok, mais je conspire, toi, il est mon gaba. On l'appelle encore, il avait fait podcast encore. C'est qui ça? Grisso. Kaja, KDJ. Appelez ça. Du bruit. Des cris de joie. Allez, la choriste. Le Jassaman, c'est lui qui est là, hein. Ça dit quoi le son? Yeah, ça va, tranquille. Tranquille, hein, Charles, je sais pas. On est venu dénigrer. Tu es venu dénigrer? Oui, je sais que tu es prêt. Tu es venu casser les têtes. C'est mieux. Chapeau, non, il a laissé la fouille en plus, donc. Délègue! Il a pas la fouille dans le podcast. Sinon c'est comment ça? C'est quoi le doute? Ça va tranquille. Là il y a ton. Il a sorti un dernier son, Jassaman. Un extrait de mon projet. Ça sort. J'espère que ça se passe bien dans vos oreilles quand vous. Tranquille en tout cas. Kiff et puis on est content de ta voix aussi. Aujourd'hui tu es là ton mogo. Mon frère. Ouais, Belly, toi, t'es un mauvais. Tu sais, c'est un mauvais de Youssoumba. Avant la famille, en tout cas. Tranquille, encore, merci de nous avoir là. J'espère que vous êtes posé tranquillement devant votre téléviseur, votre l'aller, votre ordinateur chez vous, vous qui regardez ça au travail. Flasco, on te connaît partout maintenant. Non, les mots, ils guettent à l'heure. Belek, à cause de cela. On va pas trop causer. Mais aujourd'hui, les mots, vous connaissez, on va parler un peu de longévité dans le game, tu vois, non, parce qu'aujourd'hui, on a un gros kicker et son acolyte. C'est vrai, c'est pas comme un groupe, mais genre, on les connaît depuis très longtemps dans le game maintenant.
depuis 2013 qu'on entend les sons de Kaja. Ouais, bien sûr. Tu vois, non, KDJ. Oui, ça, ça rappelle une époque. KDJ, concrètement, on peut dire que tu commences ta carrière en quelle année? Quand on parle de carrière, moi, je préfère dire 2017. 2017. Parce que il rappelle quand 2017-2024. Ouais, 2017-2024. Ok. Donc, au début, on rappait tout ça. Mm-hmm. On rappait au quartier, on rappait au garage, on rappait à l'école. Et puis après, bon, on est parti à l'école, on a laissé tomber. Et puis quand on a fini les études, on est revenu. Donc, quand on parle de carrière, carrière, où on est engagé, je pense que 2017, ça va. 2017. Fin 2016-2017. Ok, ok. Pourtant, Belly, moi, j'ai commencé à kiffer. En tout cas, on a vu ses way à partir de 2018 aussi. Échauffement. Ouais, fin 2017, début 2018. Ouais, yeah, échauffement, tout échauffement, ça. Échauffement, ouais. Comment tu rentres dans la musique? Au début, je faisais mes sons et mes gars au quartier. Et tout. Mm. Ouais, Kaja, longtemps, on se connaît. À vous même la musique? Non, lui, il n'est pas dans la musique. Lui, on est pressant depuis qu'on est petit. 2004. Depuis 2004. Yeah, c'est 20 ans d'amitié. Ok. Mm. Ouais. Alors, on se connaît à longtemps. Donc, joli. Moi, il les regardait. Moi, ça, genre, c'était pas ma science. Mais. Et puis, un jour, quand il me s'est mis à rapper, il lui a fait kiffer. Il dit, hey, c'est net, qui a écrit pour toi? Il a dit, c'est moi qui ai écrit. On s'est connu comme ça. Non, il ne s'est pas écrit, quoi. Ouais, je me suis dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Moi, il ne rappait pas, en fait. Ah, okay. Nous, il nous regardait rapper. Parce que j'étais gamin, c'est quoi? Moi, il kiffait juste. Moi, okay, il, okay. C'est, tu vois, non. Lui, c'était un dénigrant. Ah. Au quartier, il a fait le dénigrant. Lui, il se moquait de son nom. Pélec. Yeah. Non, en vrai, c'est lui, il m'a pistonné chez Shadow et tout. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Fin 2017-2018, c'est comme ça. Ok. Et puis, tu commences à traîner avec les Mogos de Oracorp. Ouais. C'est la famille. C'est la 14, Shadow, Mr. K, Missem. On était toujours au studio ensemble, donc. Flasco, toi, tu voyais les ouais, non? Ouais, bien depuis sûr. Depuis 2018. Ah, moi, quand Kaja, il a assis en face de moi, je suis fier. Légende, hein? Légende vivante. Bilek, hein? Quand on était en 5e, on écoutait les sons de Kaja. Parce que moi, on a pas l'allé. Il y a quelqu'un qui vient son l'allé, on est pour. Il met les sons et puis on a assis, on écoute. Il retient là. Puis, c'est pas sûr que tout le suite, tu as écouté encore. Aïe. Mais lui, il a l'allé. La coup matin, la coup le soir. Ah, lui, les parties, elles sont là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là, tu vois, que franchement, ça fait plaisir. Puis c'est une légende. En tout cas, pour moi, c'est une légende. Bilek, hein. Dans le rap, il voit rien. Il te dit, au fait, c'est voilà, ce que je disais, au fait. Depuis 2013, nous, on entendait les sons de Kaja. Maintenant, quand tu nous dis que, en 2017, c'est là que tu commences ta carrière concrètement, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre 2013 et 2017. Yeah, en yeah, vrai, yeah. Bon, exact. C'est même pas 2013, hein. Je pense que je commence vraiment 2011-2012. Bilek, dans la guerre. Voilà. Ouais. Toi, tu rappes pour les rebelles. Bilek, et rap FSI. Lil Watao. Rrr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 
Depuis quand tu as commencé à consommer la musique de Kaja comme ça? Je me rappelle une fois. Mmh. Hein? Mmh. Je suis à l'école, je vois un gbamé. Un gbamé? Le gbamé, là, c'est au racop qui est dedans. Ah, ça, c'est récent. J'écoute gros bolide, il dit, c'est qui ceux-là? J'allais voir un peu, j'allais écouter un peu. De temps, ouais, il dit, aïe, le mogo, moi, mais il kiffe pas. Mais il a bien aimé le truc, en fait. Le fait que ça soit un groupe qui fait, et puis tu vois, non? Mm-hmm. J'ai plusieurs personnes qui parlent sur le même prod qu'on m'a trouvé ça super hâte. Yeah. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser un peu à lui-même, un peu, on va dire, lui et puis JN, un peu après. Un peu après, avec quelle année, quoi? JN, lui, je me suis intéressé à lui quand il a drop son projet avec Imra, là. Brutal! Ça, c'était sale. Voilà. Yeah. Et là, voilà, c'est ça. La main d'eau, c'était brutal même. Mais c'était ça, sale, c'était trop sale. La brutalité, brutalitante. Namzin. Namzin. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce projet-là. Mm-hmm. Voilà. Et puis aussi, après, je me suis intéressé à Kaja. Ils m'ont parlé de le roi fou. Mm-hmm. Ça, c'est 2019. Yeah. Voilà. Oh, 2019. Ouais. Donc, il s'est allé chercher ça aussi. Il a bien aimé le projet. Yes. Moi, je ne sais même pas qu'il est moi, faisait un projet même en 2019. C'est moi. Hein. En Côte d'Ivoire même. Je ne sais pas. Ah, man, ce sont les cadeaux du game qui sont assis ici. Laisse-lui. Lui a même pas écouté les sons de 302. Tu es jeune. Autant. Tu as loupé la belle époque. Ouais, non, par contre. Par contre, c'est vrai. Il n'a pas écouté tout ça. Tout éduqué, tout ça. C'est notre héritage. Tout ce. Je pense que c'est sur les légendes. Il y a Foy. Nolivé, ça dit quoi? Nolivé, tu es là? Oui, je suis là. Comment tu vas? Ça va et vous? J'espère que tu consommes un peu la musique de nos artistes qui sont là. Quoi? Ouais, mais tu n'aimes pas, mais si tu n'aimes pas aussi, il faut dire maintenant. On les dénigrant maintenant. Bon, je vais dire que j'accroche plus à Kaja que JN. Kaja, c'est genre, comme il a dit là, au temps où il était au classique, il y avait des rappeurs aussi Aviateur. Moi, j'ai fait Saint-Viateur. Yeah. Donc, les rap contenders, tout ça, c'est des noms qu'on entendait, qu'on kiffait, tout ça. On dit on entendait ton nom. Non, pas dans rap contenders. Mais genre, on non, entendait. Non, pas dans rap contenders, mais je veux dire. Mm-hmm. Les rappeurs, là, Aviateur, classique, c'était vraiment des noms qui sont. Kaja, son nom, il y avait Super. Maintenant, JN, j'ai découvert en 2018-2019 avec Échantillon. Yeah. Mais j'accroche plus à Kaja. En 2018, toi, tu étais une sale bête. Hein. Hmm. Les lecs, hein. Très sauvage. Il était très sauvage. Mais pourquoi tu rappelles la haine qu'on a? Qui t'avait énervé? Tu as bien choisi ton blaze. JN. Ouais, elle a l'âge. Elle dit, pourquoi? Le fois, on avait sorti un freestyle. Il dit quoi? Zuna, yo. Comment bien? Il dit, comment bien? Il criait les émanés là. Il attendait le moment. Moi, je veux savoir pourquoi tu es venu à ce genre de oui. En vrai, la période où je suis rentré, même là, c'est après le décès de mon vieux. Ça, non. Yeah, c'est la période like. Même où donc il y avait une haine contre la vie de toute façon. Ouais. Ça avait une haine contre la vie. Non mais non, on est sérieux quoi. Et bien qu'à la haine tu bad. Il va ramener lui. Le haine l'a vu que était très haineux. Ça a remplacé ça par la haine. Ouais, ça. Il dit c'est le dénigrant numéro 1. Vous ne croyez pas en vrai. Mais on est là, on voit ça. On est là. Par contre, j'aimais s'habiller avec les habits, genre les képis, tout ça. J'aimais beaucoup. En ça, fait. C'est le belly, le belly. C'est le jet un peu dans la trappe. Maintenant, voilà. Dans la trappe. Voilà. Mais dans la trappe. Ah là, c'est dans la new wave. Ouais. Le belly est toujours là. Le belly est toujours là. Demandez-lui son premier blaze. Okay. Ton premier blaze de quoi, vieux? R2 Begino Kinte. Bon, ce blaze là, tu vas l'expliquer à mon ami Christian. Parce que lui, Robert Man. Explique le blaze. Robert Man, c'est le petit voleur, le petit délinquant. Ah ok. Okay. Maintenant, attends, vois ton pantalon en 5-2. Vas-y. C'était le R2 Begino Kinte. Espiritu Santos. Mais pourquoi attends, c'est le code Wi-Fi? C'est le code Wi-Fi. C'est le code Wi-Fi.
Le code Wi-Fi, il est connecté. Le Spiritus en tout, j'ai entendu ça dans un son. Ouais, avant il disait ça. Il y a un projet qui a drop là où il y avait Onction dedans. Kinte. Kinte. Pas bien. Onction n'est pas dedans. Onction n'est pas dedans. My bye. Onction c'est après, ouais. Ok. Mais c'est Kinte. Ils ont fait. Mabé, reprends s'il te plaît. T'as dit quoi? Mabé. My bad. Prochaine question. My bad. C'est my ça, si t'as pas coupé au montage. Américain. Ok. Y'a pas ça. Y'a pas ça. On coupe rien. Y'a pas ça. Sinon, comment on appelle? Comme je disais, les sons comme Onction, Je m'en bavais, ou bien, je sais pas. Ça, c'est single. Ça, c'était les singles. Après le. Pour te propulser dans le game. C'était quelle stratégie? Qui t'a dit de faire ça? C'est moi-même. Moi, c'est toujours moi qui me suis dirigé. Ouais, quoi, c'est pas manager. Il y a manager, mais. Oh, mais les managers, ils dirigent pas les artistes. Oui, parce que toi, tu ne vaux rien. T'as déjà dirigé. Le manager peut apporter ses idées, tout, peut donner. Ouais, shout à mon vieux Moroswell Maverick, le manager de KDJ. Le Big Swell. C'est flosté depuis la base. C'est là où vous pouvez pas le voir. Le Don Jadis, on y voit. Est-ce que lui connaît Yannis Kissé? C'est dans PDD, hein? Attends, ah, okay. C'est flosté. Il va huiler le plateau, ouais. Il est dédié. Va maintenant. Il. Faut mettre il de bébé. J'ai flosté la famille, en tout cas. Ici, on jaille. Donc, okay. On revient. C'était toi-même ta stratégie, tout ça, pour pouvoir t'imposer. Ouais. Cherchais à acquérir une fanbase, à me faire connaître. Mm-hmm. C'est ce qu'elle s'est fait, donc c'est ce qu'elle lui a donné. En fait. Yeah. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Vu que ça fait plus de 7 ans, 5 ans, 6 ans, tu vois, non? Ouais, 7 ans. 7 ans, 7 ans. Et toi? 7 ans, non? 7 ans. 2025, 8 ans. Ok. Avec l'avancée de l'évolution des gens, tu vois, non, il y a des types de sons maintenant dans le rap, tout ça. Comment vous vous faites pour vous adapter? Il y a eu la drill. Bon, avant la drill même, il y avait, comment on appelle, Afrobeat, Afrodrill, tout ça, la trap. Mais la trap, j'étais déjà dans la trap, tu vois, non? JN faisait son drill aussi, non? Non, mais JN, attendez, c'est qui a fait la drill? Valala, c'est récent aussi. Non, c'est son premier. Valala, c'est à longtemps. Okay. Si tu checkes les dates, je pense que projet de Belly, là, c'est. Moi, je ne cherche pas le nom de qui a fait premier. Voilà. C'est pas un chic nom même. Je ne cherche pas le nom de qui a envoyé la drill, mais c'est pas dans ça. Mais si pour toi, après, on dit que c'est toi qui as envoyé. Tant mieux. Si les autres disent, j'ai faim. C'est bénéfique. Mais comment se fait l'adaptation? Belek, l'adaptation. C'est au feeling. C'est pour ça que la musique a. On apprend aussi, hein, c'est comme école. Hein. Souvent, on pense que tu t'élèves quand même et tu chantes, mais souvent aussi, tu bosses. Tu écoutes les beats, tu bosses, tu vois comment on fait. C'est un peu comment tu t'adaptes, en fait. C'est par l'écoute. Voilà, c'est par l'écoute. D'ailleurs, c'est toi-même, là. Comment toi-même, tu sens voilà. Les beats. En fonction de ce que tu vois, tu sens, en fonction de ce que tu écoutes, là. Toi-même, tu crées avec toi-même ta science. Je sais pas si tu vois. Le but, c'est pas de copier, en fait. Tu peux t'inspirer, mais mets ça dans toi, mets ta science. Tu vois, non. Christian. Ouais. Tu as écouté... à l'époque, là, le son ne passait pas inaperçu, hein, genre... comment on appelle? Le son drill avec Imra. Partout, on s'en va. Drill. Yeah. Est-ce que tu as... Comment on appelle? Tu as ressenti qu'il a adapté la drill même à l'ivoirienne? Ou bien avec nos codes pour nous faire danser, tout ça, c'était zo. Ou bien c'était bof, pour que ça soit un hit. Bon, moi, à cette époque-là, je trouvais que, justement, genre, la drill ivoire était encore en train de se chercher, tu vois. Yeah, yeah. Genre, je voyais qu'il y avait des intentions, mais là, c'était quand même un peu dubitatif. Mm-hmm. Mais le son est vraiment intéressant. Oui.
En tout cas, c'est très important. Après aussi, il faut du temps pour perfectionner ça, en fait. C'était dans les débuts, la vie, non? Il faut du temps pour bien perfectionner ça, pour bien mettre ça à la sauce. Ouais, Kaja, est-ce que toi, tu as déjà fait son Afro Drill? Afro? Afro Drill, Drill. Ouais. Ouais. Mon son Damso. Non, 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 ouais, ouais. Ça, c'est Drill, en ça. Ça, c'est Drill. Quand on entend le son, ça, c'est hardcore. Mais Afro Drill, je pense Damso. Damso, c'est Afro Drill. Ouais, c'est Afro Damso, ouais. Moi, en vrai, moi... LJ aussi, il y a des trucs. Ah non, ça, c'est pas Drill. C'est pas Drill. Ça, c'est pas Drill. Sweet Sweet. Sweet. Ouais, je crois, hein. Je crois c'est Drill. Vers la fin, là, ça rentre un peu dans le truc. En vrai, moi, il écoute la musique. Damso, c'est dans... comment on appelle? C'est dans La Vie, la Vraie. La Vie, la Vraie. Mais ça, c'est récent, 2022. 22. OK. Toi, tu as les dates, hein. Beleg, hein. T'as bossé avec les dates. Non, c'est pas qu'il a bossé. Tu te trompes rarement. Voilà, il me trompe très rarement. Dans les dates, en tout cas. Voilà. Il y a les morts qui veulent me donner un nom de Balou ivoirien. Moi, pas sain. Maintenant, dans leur carrière, aujourd'hui, ils sont à presque 8 ans de, comment on appelle, d'ancienneté. D'activité, de carrière. D'ancienneté, ouais, de carrière. De carrière, de carrière. Après, d'ancienneté, ah, yeah. Ils ont 100 ans. Est-ce qu'on sent qu'ils ouais, tiennent encore avec tous les artistes qui sont là dans le rue? Forcément. Ils rivalisent. Je pense qu'ils font pas, surtout Kaja, ils font partie de la première tranche, la première vague du rap ivoire depuis. Donc lui, franchement, il est intemporel. Mm-hmm. Même la partie, pendant qu'il partait à l'école, qu'il avait arrêté les sons. Non, saignait les anciens sons. Mm. Tu vois. Mais avec le temps, tu vois, il est forcément là, son nom ressort. Yeah. Il est dedans, en fait. Tu ne peux pas sortir le nom des Didi B, les suspects, c'était Kaja. Ce n'est pas possible. Ouais, à son niveau. En tout cas, à son niveau, yeah. Ils sont là. JN aussi est là. Yeah, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. En tout cas, c'est ceux qui sont là où il y a la lumière, en tout cas. C'est pas dans le mouvement en tout cas, ici. 2018, seulement, Jien était MVP. Hein. Ah, il était parmi les meilleurs rappeurs. Le meilleur rookie de l'année. Ah, 2018, Beleg. 2018, non. No cap. Là, t'en as pas mis Primit? Oh. Ah, c'est Jack PC. En 2018, est-ce qu'il y a Primit? Ouais, en 2018, il n'y a pas Primit. Toi, tu es pas du Vaurien. En 2018, c'est 2018. Moi, je connais pas les dates de Primit, les gars. Ah, Fat est décédé. Oh, ils ont pris à nous. Ils ont pris à nous. C'est fini. Non, c'est vrai. Voilà. Vous êtes allé, y'a des. En 2017, le rap n'était pas comme ça. Je crois que c'est 2016, ouais, 2017 ce qu'a fait. On nous bossait très mal. Ouais, le rap. Mais qu'est-ce que toi, mais il y a vu un de tes tweets, tu as dit que Jean. Mais attends, moi, je veux savoir un truc. Mal... Oui. Donc, ils ont boué Kadja et puis JN, mais ils ont dominé Jack PC. Okay. Si vous comprenez bien. Ah non, en ce moment-là, on n'était pas dans Espoir. C'est ça. En tout cas, ça rentre à Jack PC. Moi, je suis cher d'être CVAV. Donc, voilà. Ah, mais la perturbé. Donc, on revient avec toi. Ouais, on a vu ton tweet il y a 5 ans de cela. Tu as dit que le rap allait s'imposer en Côte d'Ivoire ici et que tout le monde allait rapper. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est clair. Il y a de gros shows. Ouais. Didi B fait des ways extraordinaires. Imra aussi, toi aussi. Tout le monde à la télé, jusqu'on organise les concours de rap. Willy à midi, il fait les shows de rap à midi, tout ça. Mmh. C'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que toi, tu as vu il y a 5 ans que nous, on n'a pas vu? Il a vu qu'il n'y avait pas de relève du coupé décalé, comme il a dit. Bilek. C'est vrai que le aller, on a bien mal sorti dans le dos, c'est vrai, mais la relève du coupé décalé, après, il y avait Mogo Safarel, DJ Mix et tout. Il n'y avait personne. Il n'y a pas de jeunesse. Alors qu'il y avait une grosse vague de rappeurs. Tout le monde rappait à un moment donné. Tout le monde prenait ça. Même si ce n'était pas forcément pour faire carrière, mais ça rappelle partout. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon, forcément, c'est ce rap-là qui a dominé. Vu que la jeunesse, tout le monde, ce n'est pas comme en 2009, 2010, où c'était coupé, décalé, tu vois. Mm-hmm. Maintenant, ça a déjà vu un jeune de 17 ans qui fait Zouglou? Non. Tu vois, non. C'est qu'il est plongé dans... C'est générationnel, en fait, tu vois, non. Allez, là, c'est la génération rap, c'est la génération hip-hop, ça, tout. C'est vrai qu'on veut danser, on est dans un pays de danse aussi. Hein. Yeah. Tout le monde, toujours danser. Je pense que la culture du rap... Mais attendez, sur le littoral, il y en a, non? Ouais, sur le littoral, non, vers Bassama. Il y a des jeunes de 17 ans, ceux qui sont plongés dans le Belay, des adeptes du Belay, tout ça. Eux, ils font du Zouglou. On voit Belay partout même. Hein. Ou bien. Mais c'est pas fou aussi. Hein. On voit Belay partout. Moi, il y a très peu, je vais même pas dire très peu. J'ai pas vu de jeunesse dans, par exemple, le Zouglou. Donc, à partir de tes propos, là, on peut dire qu'aujourd'hui, le rap ivoire est au sommet de la musique ivoirienne. Sommet, bon, je pense qu'on est numéro 1, je pense. Actuellement, là. Didi. Pense. Ouais, moi, c'est clair. C'est clair. Actuellement. Moi, c'est pas un débat, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que nous fait dire, ça? Un, on est plus nombreux. Mm. Tu vois, on peut ne pas être le premier, mais on est peut-être 20.
Tu vois, nous tous, on a un bon niveau, on est présent, on est vrai. Mm-hmm. Puis le premier, peut-être, il n'est pas de notre style. La musique la plus consommée, ça sera la nôtre. Mm-hmm. On est plus nombreux. Et puis actuellement, on est premier. Mm-hmm. Parlable des premiers, ce n'est pas chez nous. Hein. Ils mettent plus leur bouche dedans. Donc, le rap domine clairement la musique ivoirienne en ce moment. C'est pas fou aussi. Cette année, il y a eu combien Attendez, du coup, j'ai une question. De rap ivoirien. Il y a eu trois palais, non? Trois palais, il y a déjà. Il y a eu Imra. Mm-hmm. Il y a eu Guns. Mm-hmm. Il y a eu deux palais. Non, avant ça, il y avait le gars là. Non, Fior, c'est l'année passée. Lidje, c'était décembre. L'année passée. Ah non, c'est janvier, c'est vrai. Yeah. C'est janvier, yeah, ça fait trois, tu vois. Est-ce que lui-même, on peut le mettre dans le rap, il voit, lui Tu oui. vois, bon, il y a ça aussi, hein, ça laisse ça débattre. Voilà, lui, bon, il n'y a pas envie de casser les têtes, mais genre, sa musique ne me dit rien. Hein. Il a le son qui parle. Bon, moi, je suis un gars de la trap, moi, je suis plongé dans voilà, le piège. Voilà, ok, voilà. Donc, Paolé, son superstar, c'est le son des pas qui nous. Non, il a créé son mood. Il a créé son mood. C'est quoi ça, là? Il a créé son mood. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. Il est fort. Et pourquoi t'as dit chante pas pour les ébriller? C'est un choix. Ouais. C'est un choix de carrière, tu vois, non? Mm. On peut pas. T'as dit qu'il avait ébrié son superstar, quoi. Mm. J'espère bien. On est trop fous pour faire même chose. C'est quoi, c'est quoi? Je suis à Djoukou. À Djoukou, son superstar. Donc toi, tu vois, son superstar. Je comprends pourquoi les mots t'appellent à Tchéke sur Twitter. Ah, tu sais pas. À Tchéke. Vas-y, dans ton rap, à tous les gars. Parce que c'est un coup, hein. Ah, tu sais. Hé. C'est pas payé Magic, hein. C'est payé Sekou. Parce que et Sekou très vite. Ah. On dirait un bateau de migré. C'est pas bon. Façon lui Sekou. Mais c'est ça. Il y a un fou, il y a un fou. En tout cas, c'est ça quoi, genre c'est chacun son mood. Yeah. Nolive, tu es là? Oui. Ah, elle disparaît. Noli. Ouais, je suis là. Yeah, par rapport à cette histoire de comment on appelle le rap ivoire est vraiment maintenant au sommet. Ou bien genre fait partie des deux genres musicaux qui sont à la tête de la musique ivoirienne. Quel est ton point de vue sur cette situation? Ils ont raison parce que le rap ivoire a eu le temps de grandir avec ses fans. En fait, on était tous petits, on les écoutait tous. Et c'est aujourd'hui là les mêmes personnes qui ont, on va dire, plus ou moins un pouvoir d'achat qui suivent en fait les rappeurs. Mmh. Et quand tu vois les... Il n'y a pas longtemps, c'était... tombé sur le classement de Boomplay Music. Yeah. Et j'ai vu que José était, elle était dans 5e, Inra était numéro 1, mm-hmm. et Apple Music aussi pareil. Donc quand tu vois tout ça, c'est que le rap ivoirien est numéro 1. Et comme il a dit, on est plus nombreux et on est plus organisés aussi par rapport aux gars du coupé décalé ou du Yama. Mm-hmm. Yeah. Donc il y a ça aussi. Et puis moi, je veux ajouter quelque chose. Vas-y. Je pense qu'on bénéficie de la jeunesse, dans le sens où, tu vois, par exemple, Lil J, tu as dit, on le met dans le rap ivoire. Ouais. Parce que c'est un artiste jeune, okay. un artiste de notre génération. Mmh. Voilà. Même quand la team PA arrive, on les met dans le rap ivoire. Voilà, alors que, fondamentalement, la musique qu'ils font, ce n'est pas forcément du rap. Mmh. On les met dans le rap ivoire. Donc, le rap ivoire, c'est plus, ça devient plus culturel. Mmh. Ce n'est pas un genre, ce n'est pas seulement le genre musical. Tu vois, quand tu es jeune, tu es comme ça, tu es comme si tu fais flotte. C'est le rap ivoire. Tout ça. En tout cas, on kiffe, on a vu que... Du coup, moi, j'ai une question. Ok, ok, vas-y, rapidement. Justement, pour continuer sur ce point-là, du coup, c'est quoi votre avis à vous qui êtes là depuis longtemps, sur le positionnement, par exemple, de l'industrie musicale sur les rappeurs? Par exemple, genre, de la manière dont ils vont traiter José, là. Mm-hmm. C'est pas comme ça qu'ils vont traiter un rappeur abattu, du coup. La manière ils vont traiter qui c'est ça, José, il a dit. Par exemple, José. Ah ouais, mais ça là, c'est ça dépend, pas que rappeur, ce soit lié, ça dépend du rappeur, ça dépend du rappeur. C'est qui, il y a la carrière. Il y a la carrière. Comment ils vont traiter José? Ils vont traiter d'autres rappeurs comme ça. Je pense pas que ce soit une question de... Avant, c'était comme ça, mais maintenant, non. Ouais. Nous tous, on essaie de respecter certains critères pour avoir le respect de tout le monde. Ouais. Parce que c'est à cause de ça qu'on les invite aussi, tu vois, non? Si aujourd'hui on parle du rap ivoire, si les Imra, les Wick Djenze arrivent à faire les Wé, les palais de la culture, tout ça, c'est parce qu'il y a des gars qui se sont battus, tu vois, non? Quand il y a eu Safarel est venu à Tchin Tchin, ou bien les gars sont venus à Biama, tout ça, eux n'ont pas
ils n'ont pas bougé, tu vois, non. Ils sont restés sur le rap, tu vois, non. Donc, ce sont des gars qu'on doit vraiment féliciter, quoi. Ouais, c'est clair. Ils ont pérennisé notre culture. Bah, bien. Notre culture dans le rap ivoire. Donc, je voulais que les gens en applaudissent même. On t'applaudit pour eux. Chez vous à la maison. Applaudissez Kadja, JN. Chez vous à la maison. Moi, je tiens à remercier les médias aussi. Yes, sir. Sans faire de publicité, tous les médias. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias dans les autres domaines, mais chez nous, le rap ivoire. Il y a tellement de médias qui sont aujourd'hui, on a Dénigrant, il y a beaucoup plus. On a nos grands frères, je fais un shout-out à mon vieux Morotura, nos grands frères qui ont fait, quand ils ont fini, ils ne se sont pas dit, bon, allons s'asseoir aux États-Unis, on vit notre vie. Ils ont créé quelque chose pour faire durer le mouvement aussi. Ça, donc, c'est vraiment... c'est générationnel et j'espère que ça continue. Quoi. Yeah. En tout cas, merci aussi à tous ceux qui donnent la force, même ceux qui écoutent. Hein. Il y a d'autres qui n'ont même pas l'argent pour manger matin, mais ils se réveillent. Il écoute son de JN. Nous si yo, nous si yo. Ah ouais, nous si yo. C'est sa journée. C'est ça. C'est quelque chose à la vie. C'est JN, c'est lui qui fait les ouais quoi. Dénigré du rap. Mais Jean, il a donné l'explication du son, donc il n'est pas trop rentré en détail. Il a dit que c'était le son de son vieux. Ouais, le son préféré. Il est, tu vois, non. Il n'a pas fait les interviews comme tout le monde, tu vois, non. C'est mieux. C'est mieux. Ouais, non, on est dénigrant. Non, on n'est pas venu. C'est flosté. Allez, hey, commentez là. Flosté. Flosté. Nanzin. Il n'y a pas bruit la famille. En tout cas, les gars, merci de nous suivre. On croit en ensemble sur le dénigrant. Merci à Iconic. Big love sur vous, les fans, en ensemble. Gang. Non, mais attends, moi, il y avait une dernière question. Ok, vas-y d'abord. Vous pensez quoi? Du Maïmouna, quand on met le Maïmouna dans le rap, oui, parce que ça fait partie de l'évolution. Qu'est-ce aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ça se rapproche plus du rap, mais ça se rapproche de quoi, selon vous? Yeah. Vos avis personnels? Moi, je pense que ça se rapproche beaucoup du rap. Mais moi, ce qui me fait penser comme ça, c'est les prods. Tu vois, comment ils écoutent, quand un son commence, c'est la prod qui commence. Le son commence, tu entends pied, tu entends snare de drill. Drill, c'est ouais. Rap. Maintenant, le gars, lui, vient, un beat. Il vient. Lui, il crée sa science maintenant, tu vois, dans ses lattices. Mais ça reste du rap. C'est sa manière de chanter sur du rap. Donc, moi, le Maïmouna, j'ai toujours considéré ça comme du hip-hop. Hein. Les prods, là, c'est du hip-hop. C'est pas musical. C'était du hip-hop à un moment donné. Ils ont voulu faire ça tôt dans son. Il aimait plein de mots. T'as vu, non? La chorégraphie, il y a sport. Maïmouna, c'est afro drill à la base. Il y a le flow qui fait danser et tout, sinon c'est afro drill. Après là, il y a eu. Mais faut pas prendre sport pour c'est pas donner sport, son coupé décalé. C'est même pas des sports qui parlent. Quand tu as cité, tu as dit il y a sport. Non, il y a sport. Faut pas vraiment les sons, les DB, les sons. En fait, c'est pas ça. On a fait son rap qui voit gros bolide. C'est sport. C'est son sport, son DJ Léo. Mais est-ce que c'est pas rap? C'est les morts qu'on les bat, les trucs. Ok. Tu vois, non? Donc, c'est pas le côté sport là qui fait que. Non, ce que je dis, c'est que moi, je vous, c'est que... gros bolide seulement. Ouais. Un peu. Non, c'est pas ça, seulement. Il y a les bibis, il y a le son. Moi, je pense que ce qui a fait tourner le Maïmouna comme ça, c'est Milano. Oui, mais en fait, il y a c'est l'acteur Milano lui-même. Mais Milano, sa manière d'ambiancer, là, tu sens qu'il maîtrise un peu coupé décalé, tu vois, non? Et quand lui, il a commencé à faire ça, il a commencé à taper dans ses prods aussi, un peu le coupé décalé, les autres ont voulu suivre. Non, mais avant lui, alors il y avait Dada. C'était son mood. Il y avait J.A. Ouais, mais eux, quand ils font, c'est Maïmouna tous les jours. Là. C'est le premier Maïmouna. Dada, quand il fait son Maïmouna, c'est toujours le Maïmouna réel. Le premier, d'ailleurs, il pense que c'est le père du Maïmouna. C'est toujours le bon Maïmouna. Bon, ça sent eux là-bas, on est dénigrant, non, pas de la trappe. Hein. Vous avez un souci avec le Maïmouna. Moi, oui, il y a un souci. Lui, il a un souci avec le Maïmouna et la vidéo qui se promène sur les réseaux sociaux. Moi-même, il y a un souci. Ils disent, ils font chanson, c'est un enfant. Ça allait finir par faire chier, man. Ça allait finir par faire chier, man. Toi, tu sais que c'est la vérité. Allez, moi, ces vidéos, ils battent sur moi. Allez, dès que ça passe, quand tu sais, comment ça se voit. Moi, je voulais te demander. Attends, c'est toi qui poses question à Flasco. Ouais. Tu n'as pas quoi, question qu'il va te poser, tu es non, il a qu'à se mettre à l'aise, c'est mieux. C'est mieux qu'il se mette à l'aise. Il y a moi. C'est pas que Bemous vaut rien. C'est à moi, oui, c'est moi, dis ça. Tu trouves vraiment que Bemous vaut rien. Ouais, mais tu mets un problème dans la personnalité du personnage. Ouais, il a parlé de slam aussi. Et le rap. Tout. Le rap qui fait. Ça ne rentre pas dans mes oreilles. Je suis désolé. Sinon, ce n'est pas comme s'il insultait. Ça n'a rien à voir, mais personnellement, ce n'est pas ce qu'il kiffe, quoi. C'est tout. C'est bien. Juste ça. Mais pourquoi tu ne demandes pas pour slam? Mais pour slam, j'ai pas entendu de vidéo sur slam. Et c'est ça qui a tourné. Il y a vu ce qui est sur Bemous sur Twitter. Il y a un acharnement sur mon fils slam. Slam. Toi, tu penses quoi de sa musique? Il fait les sons, c'est dans son mood. C'est bâtard. C'est...
Qu'est-ce que peut-être, tu penses là-bas? Peut-être le souci, c'est sa voix. Il pense, sinon, il a les bons flows. Non, sa voix on n'est pas... On t'est pas des tchèpes. Ça va, mais tu sais que... Il est vide. Je sais, c'est son dernier oui, là. C'était... Quel dernier oui, ça? Son dernier oui, il a posté sur TikTok, là. Faut chanter un peu, chante un peu, là-bas. C'est vrai qu'après qu'il a... Où il dit, c'est une vague de haine, là. Il est vide. C'est ça, là. Le fou, là, ça dit, non? JL. T'as vu que ça t'a rien dit, tout ça? Ah, oui, c'est moi. On continue, gros. Oui, oui, c'est moi. Il y a eu le même acharnement sur Imra pendant des années. En fait, souvent, mais il s'est relevé. Non, il ne s'est pas relevé. Ils se sont ralliés. Il a continué. Ils se sont ralliés. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand il faisait Drill premier, là. C'est la même chose. Qui a dit ça? Qui a dit qu'ils vont se rallier, là, s'il vous plaît? C'est moi. Malik, attends. Peut-être qu'il a amélioré certains trucs, mais il a continué dans son mouvement, resté dans le sale. Et puis, les morts sont revenus. Il a insisté. Comme lui, Jenzé. Bon, il dit non, il a changé. Quand Reed Guns commençait, on disait, on ne peut pas écouter chanson qu'il dit rien de bon. Moi, je me rappelle, sur Twitter, il y avait une vague sur Reed Guns. Quand il est parti aux États-Unis, c'est pas les États-Unis qui a changé dans la tête. Quand il est parti aux États-Unis, il avait faux les laisser. Ils disent, ah, c'est devenu chic. C'est comme ça. Slam va nous rallier. Ah, Slam. La Mélo. Tu peux nous rallier. On fout l'absence. On espère. Il y a mon ami Flasso qui a parlé. Moi, je ne vais pas trop donner mon avis parce que. C'est ce qu'il pense, il n'y a pas. Voilà, c'est ce qu'il pense aussi. Ouais, ça c'est clair. Mais toi aussi, tes flow, tes paroles, c'est les paroles de 2013. Les sons, tu fais les sons direct Chris Brown. Mais genre, c'est pas trop ça. Oh, c'est bon. C'est là pour dénigrer. C'est bien sûr. D'autres personnes. Big love sur toi et ta famille. On est ensemble. On est ensemble. Comment ça, ta famille? Je vais parler de qui comme ça. Calme-toi, il est bien sûr. On va faire ça pour. On va faire ça pour. Attendez, j'ai une vraie question. Allez, Mongo, il y avait une question à poser. Ok. Ouais, vas-y. Christian d'abord. Ah, tout le temps. La feuille. Moi, je voulais dire que, genre, je ne sais pas si vous avez suivi les interviews de André 3000 qui parlait de justement le fait de. André 3000. Mais là, du coup, il disait que lui, il ne se voit pas rapper. Enfin, plus il prend de l'âge, moins il se voit rapper, du coup. Et du coup, j'avais cette question-là, surtout par rapport à la direction que JN a pris dans sa carrière, tu vois. Excusez-moi. Et le truc, c'est que c'était pour savoir, est-ce que justement, genre, il pense comme ça, ou bien est-ce que pour lui, c'est, oui, je pense. C'est différent. Je pense comme ça, je me vois pas passer toute ma vie dans le rap, quoi. Et faire ce qu'il a fait, encaisser le jack qu'il a fait, et puis... Il développe d'autres choses. Il serait toujours peut-être dans le domaine musical, mais... Tu veux être producteur ou bien genre ouais, manager. Les gens. Non, pas manager. Ou bien créer un média. Ils l'ont mis dans le manager, il dit non, pas manager. C'est ça. Alors, tu es dénigré le manager, quoi. Tu es dénigré le manager. Peut-être c'est possible aussi. Ah, quel manager comme ça? Le Big Swell. Le Don Jazzy, tu apprends balle. C'est flosté. Allons-y. Ça, il ne me voit pas en train de finir ma vie. KDG, toi. Bon, c'est pareil, hein. Rapper jusqu'à quand? Je pense que moi, personnellement, après, on n'est pas sûr de l'avenir, mais à un certain moment, il a arrêté. Il est resté dans le domaine. Mais moi, j'ai d'autres ambitions. Au rap, même, il y a d'autres passions, en fait. Comme quoi, comme ça? Le cinéma. Ouais. Bilek, hein? Ouais. Là, il y a Tchekabo qui est passé à la télé. Les artistes, la politique. Même, c'est les acteurs. Là, attends. Ah, j'ai. Comment ça a vu? T'as pas ça les dents? Non, attends, tous sont divers des campagnes. Des campagnes. Le plan n'a pas ça. Essayez d'aider le pays, quoi. En vrai, la musique, le fait, la notoriété, ça
ça peut t'ouvrir certaines portes. Voilà. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est pas toujours bénéfique, mais ça peut t'ouvrir certaines portes qui te donnent les opportunités. Noto Yuskaja. Tu vois, non. Donc, on va profiter de ça pour... Pour faire d'autres choses. Il y a foi, il y a foi. Mais moi, il sait qu'il a continué de faire du son. Non, moi, il vous a resté là un peu. On a besoin de vous. Non, je suis encore là. On a encore besoin de vous. Quand il chante, quand il veut. Quand tu as fini, tu as réussi, tu avais des ambitions, tu as atteint des trucs. À un moment, tu chantes quand tu veux. Et tranquille, quoi. Comme Booba. Ça sort. Tu vas décaler à Monogaga. Tu vas dire les sons. Tu vas dire Benoît. Tu vas dire Monogaga. Tu vas dire Benoît là-bas. Tu vas dire Benoît et Calé. Tu vas dire les sons un peu. Il lance qui au petit. Eh, petit, je voulais que tu fasses Gamme de bébé Bibli. Tu vois, voilà. Je m'en voilà. Je vois que ça sort. Ne vous inquiétez pas, on arrive à tout ça. En tout cas, pour terminer rapidement, avant que Malik pose sa question, moi, je voulais savoir. Dans la même mouvance de l'évolution du rap, il y a la DMV. Mmh. Est-ce que toi, tu kiffes le mouvement? Est-ce que tu as envie de faire un son? Mais tu as fait un son. Je kiffe le mouvement. Faire un son, moi, je vais au feeling. Ok. J'ai écouté une prod DMV qui me parle au calme. Moi, je n'ai pas de barrière musicale. Hein. Yeah. Même si j'écoute Zouglou. Ah, lui, la version Bébé. Bébé. Ah, Béni. La version Bébé, lui. La version Bébé, pas la version Bébé. Yeah. Mais sinon, moi, pas de barrière musicale. Ok. Il y a une base qui est le rap, mais il n'y a pas mes limites. S'il y a une autre, s'il y a une espèce. L'un des son Biama, des joues là. Ouais. Je vais pas vous dire. Biama, le coller, quoi. Quand ça a sorti, rappelez-le ici. Moi, pas de complexe sur ça. Mais et Yusumba, et Yusumba. Quel complexe sur ça. Moi, il y a un son Yusumba. Yusumba. Non, Yusumba, ça sort. Ils ont fait le Biama. Moi, ils ont fait mon rap sur le Biama. Tranquille. Ok. Ah non, moi, pas de barrière musicale. C'est qui le son? C'est Fior et puis Didi. Didi Yema. Ah, t'as dit Didi, on a pensé à Didi B. Mais n'en dis pas plus, on en vient. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Le podcast. On a tout le temps. KDJ. De ton babier podcast. Yo, vous avez vu, elle est têtue. Je vais déclencher encore un prochain son. Le Bayo, fais savoir le flas. Shogun et Bayo. Vas-y, DMV. Ouais, DMV, moi, je kiffe. DMV, voilà. Je kiffe. Je possibilité pense que... de faire un son. Ouais, c'est clair. Comme ce qu'il dit. Yeah. On est un peu pareil sur certains thèmes. Mais... Au feeling, quoi. Okay. Ozaki, il y a longtemps, il est là. Ouais. Moi, j'ai suivi une de leurs séances studio un jour. Ils sont lourds. Ouais, il a vraiment aimé. C'est le jour là que j'ai connu, en vrai. Il y avait des hackers. Mais eux, jeune Benjoul, même, il est passé. Benjoul, il est calé. Il est calé. Il t'a fait un truc. Il est là. Eh, Jenzé a fait. C'est le jeune Benjoul. Jeune Benjoul a fait le beat. Néné, c'est très fort. C'est lui qui a fait la deuxième partie des trucs, non? Giga de Cali. Yeah. Ton. Tu as déjà travaillé lui? Benjoul, non. Tu comptes? Yeah. Je crois qu'il m'a déjà envoyé des prods. Yeah, foy. En tout cas, on attend ça. Ligma, pose ta question maintenant. Voilà pourquoi il voulait poser ma question à Vita. Mais c'était sur Slam, je voulais revenir. Qui avait dit qu'ils vont se rallier là? Attends. Qui avait dit qu'ils allaient se rallier là? Il a dit, c'est moi, c'est KDG. Il a dit, on ne connaît pas demain. Le problème est quand maintenant, quelqu'un qui dit... Il y a un argument qui sort. Maintenant, quelqu'un qui dit... Tu vois? Maintenant, quelqu'un qui dit, si tu n'as pas dents, tu peux pas être président. Vous ne pensez pas qu'il peut s'améliorer ou bien, genre, il doit continuer sur sa ligne et puis on s'est rallié. Mais si tu n'as pas dents, tu peux pas être président. Président. Mais il faut les dents pour être président. Tu n'as pas président. Toi, tu as la vie président sans dents. Bon, donne le nom d'un président sans dents. Donne-nous un président sans dents. Tu as une minute pour trouver le nom. Tu as 5 minutes pour continuer l'émission. Peut-être il a carré, on ne sait pas. Mais il y a un but là. Non, mais ton argument... Il y avait un conseil. Il avait un peu sommeil d'une manière. Le conseil était annulé. Il dit ça comme ça, il dit rien. Bien, foy. C'est pas des guis. On ne sait pas. De slam. Je reviens sur l'argument. C'est ce qu'il dit à la musique là. C'est un feeling. La musique, c'est un art. Tu vois, non? On a trop catégorisé. Il y a des gens qui s'asseyent et puis ils écoutent instru. Amapiano, il y a parole dessus. Là, au début de Amapiano, c'est le beat seulement. On écoute, c'est chic, on danse. C'est une vibe. Quand Arafat dit, il fait ses appellements, c'est pour que tu bouges, pour que tu puisses danser. C'est pas forcément pour véhiculer un message. Tu vois, non? Donc, quand on fait un son, c'est une vibe. Si tu kiffes ou bien tu kiffes pas. Amen. Ouais. Tu vois, non? C'est comme ça. Moi, je prends l'exemple de Jens Zepé. Jens, au début, il a suivi.
Les gamins, ils disent, ah, ils sont méchants. Il dit rien de bon dans ses chansons. Il avait avami, vont. Mais qui va, fan. Il avait évolué maintenant, quoi. C'est pas la kick là, tu as gardé comme ça. On appelle ça comment? Vont. One. Why do you want? One. Il avait évolué maintenant. Les gens se sont ralliés. Il a tellement tapé. Lui, il pense qu'il a un bon flow. Donc, il a tellement tapé sur son flow. Ils ont oublié. Ils ont vacances ici. Ils ont oublié qu'il n'a pas de lyrics. Au début, ils disaient non, lui, il n'a pas de lyrics. On ne peut pas écouter ça. Mais finalement, ils se sont ralliés. Il a fait comme ça avant-hier au palais. C'est les one, il a chanté. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, il faut laisser, on connaît pas demain cette musique. Ah, c'est la un jour, il va faire un son, ça t'est touché, tu vas avoir honte maintenant, tu as dit, il a évolué. Hein. Même et... Ablon et Salas, les mots disaient que ça vaut. Non, ça, c'est son premier. Ouais, d'accord, j'attends les options qu'il va m'offrir. Merci. En tout cas, j'attends. Merci. C'est mieux, c'est mieux. Allez, à fond, il a fou l'option. Il a fou l'option. Il a fou l'option. Merci, Pato. Tant que vous avez la fête, merci, Pato. L'option, il va venir de dos. Mais attendez, Kajan, attends, c'est what do you want Kajan mis dans Vopi, Vopi, Vont. Il a mis dans l'abeille. Il dit Vont, Vont, Vont. Il a mis dans l'abeille, dans bien pop. Vont, Vont, Vont. Oublié. Bon, les morons, c'est. Concentrons-nous. On va avancer tranquillement. Merci les gars d'être là. Les morons, nos collaborateurs en ligne, calmez-vous. On va avancer. Mon moment préféré de l'émission science. Non, il doit me... Tu vois, non. Ben. La question je de Flasco. Je suis chez vous, en piste. Je suis de retour. J'espère que vous suivez bien en ensemble. Ben. Big Fla, Flanaconda. Ou bien. Toleka. La question c'est de Black Snake, c'est pas Flanaconda, pardon. Ben. Toleka, pose ta question. Ok, bon, il commence par le père Kaja. Kade. Rapidement. Ou bien, le jeu, on dit quoi? Ouais, ça va. Deux jours, on a vu un peu sur Twitter, un peu tout ce qui se passe. Je sais que tu suis l'actualité. Yeah. On a vu un peu, Didi avait partagé, je crois... Jassaman. Voilà, la repensée de Jassaman. Enfin, au début, tout le monde était un peu sceptique. On se disait que, ah, on dirait que vous êtes rabiboché un peu. Rabiboché? Bon, enfin, vous êtes reparlé. tu vois un peu ce que je dis. Parce que ton micro donc, donne la voix. Vous êtes parlé, peut-être que tout ce qui s'est passé avant, les clashs, tout ça, peut-être que vous avez réglé. Yeah. Mais après, d'autres gens aussi ont sorti d'autres tweets. Oui, je sais pas, il avait retweeté. C'était quoi les retweets de Mirabel? Où il a gagné le moment d'Orange. Tout ça, tout ça. Mais c'est comme s'il voulait te donner la force, de toute façon. Tu vois? En tout cas, c'est comme moi, j'ai vu ça. On a vu les gars de la conspiration aussi rigoler un peu. Je comprends pas le lien avec le truc là d'abord. Le deuxième tweet là. Le deuxième tweet. De Orange là. Tu comprends pas ça de la part de Flash Cobain, de la part de non, il a retweeté en fait. Okay. Il a retweeté ça. Yes. Il a retweeté ça. Oui, oui. Je sais pas si tu as vu. Le tweet de 2022. Exactly. Lui, il a retweeté ça. Ouais. Il a retweeté, si tu veux. Je sais pas, tu n'as avant pas vu. Ça, j'ai pas vu. Juste attends, après toi, tu le ghost, quoi. Toi, tu n'as pas vu, quoi. Non, ça, j'ai pas vu. Okay, dis ça, il n'a pas vu. Donc, après qu'il a retweeté, on a vu les gars de la conspiration se moquer un peu. Tu vois, donc, bon, on voulait savoir qu'est-ce qu'il en est, quoi. Tu vois, la science, non. Si vous êtes parlé. C'est pas ou c'est toujours la même chose. Bon, en tout cas, on s'est pas parlé. Moi aussi, ça m'a été au Basili. Attends, tu veux voir le travail de Saoui? Au Basili. Et puis, mes gars m'ont envoyé les screens. Tu vois? Bon, moi j'ai vu, c'est tout. Et c'est pas. Sinon, on ne sait pas parler si c'était prévu, si c'était... Non. Donc là, vous êtes toujours en bruit. Bon, en tout cas, on ne se parle pas. On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu, on n'a pas communiqué sur ça. Ça m'a tout aussi choqué que vous. Donc, je ne sais pas c'est dans quel objectif, je ne sais pas. Selon toi, c'est dans quel objectif? Ah, moi, personnellement, moi, ce n'est pas un... Non, tu peux émettre une hypothèse. Une hypothèse. Bon, moi, je pense que peut-être il a fait ça pour te troller. C'est une possibilité. C'est ce que moi j'ai pensé. Et toi? Je pense qu'il a fait ça pour te troller. Moi encore. Moi je pense qu'il veut te donner la force. C'est un petit rappeur qui débute. Moi non, voilà. Moi, il partage ça aussi. Je vais venir à ça aussi. Je vais te dire comme allez, tu veux faire ça. Ça, c'est mon micro pad. Mais genre, c'est ce comme qu'il a pensé. Quoi, gars, toi, il a partagé il a son aidé ton mouvement de 2022. Il te donne la force. Il te donne la force. Achamadia, comme Famous Freaky.
les comme petits Ozaki, les petits Doblima. C'est comme, c'est même voilà, Zai Boy, Zai, voilà, Zai Boy. Quand ce sont des Zai Boy, ils partagent, non. Partage. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc, bon, c'est comme ils pensent, quoi. C'est comme on a vu. Donc, moi, t'as demandé pour voir si vous avez causé ou bien, tu vois, non. C'est tout. Mais bon, arrêtez de rire dans le public. Dans le public, calmez-vous. Laissez-y, il a pas des casquettes rouges. Là, je lui porte casquette d'abord. C'est flasté, hein. C'est flasté. Ah, c'est pas là du toun-toun. Non, mais un peu ça. Honnêtement, je sais, moi, je sais pas. Yeah. À un je moment, je me suis. Moi aussi, mes hypothèses, mais. Mais la nature même du bruit, même. C'est lequel? Tu vois, non. La nature. Pourquoi ça s'est mélangé en bruit? C'est le podcast. Tu es venu encore? C'est le podcast. T'as vu qu'il est venu encore, nous mm-hmm. Le podcast. Mais mm-hmm. Je pense qu'on aura plus de réponses quand mon projet va sortir. Okay. Ah, comment ça et, je te dis quoi comme ça on aura beaucoup plus de réponses quand mon projet va sortir. Mm-hmm. Les trucs vont être un peu plus clairs. Parce que là, par exemple, ça c'est vous que je suis en train de parler. Mm-hmm. Pendant ça a sorti, les gens vont entendre un peu que je n'étais pas au courant. Mm-hmm. Je ne savais pas. C'est pas genre, on s'est testé. Ah, bro, tu as le débat, ton son est sorti, est balancé. Non. Si c'est marketing, si c'est technique, mm-hmm. si c'est... pour se moquer, si c'est pour un signe de paix, ça, moi, je ne sais pas. Mais moi, mes réponses sont dans mon projet. 31 octobre. 31 octobre. Sale. Jésus. On ne fait pas publicité. Jésus. Ici, voilà, ça, 31 octobre. On n'est plus ici. Bélec, applaudissez. Des cris de joie. C'est mieux. Les choristes aussi, c'est flosté. On n'est plus ici sur le déni. Ouais. Le J. Bon, moi, ce que tu demandais, c'est rien. Je pense que ça va pouvoir. C'était par rapport un peu à NDS. Moi, je... tu vois, non, moi, en fait, non. Moi, il y a sa voix. Puis, il y a remarqué ta que. Ta voix. Il y a remarqué que beaucoup de gens ont toujours quelque chose contre elle. Ils ne comprennent pas la science. Yeah, en réalité. Ah, pas bonne science. Tu vois, non, et, même nous, même nos amis artistes, New Wave, tout le monde. Ah, pas bonne science. Ah, pas bonne science. Mais tu vois que tout le monde est connu une seule personne quand même. Mais vous la connaissez il y a longtemps, non? Justement. Mais est-ce que c'est un discours? Ah, si vous dites ça, c'est dire ça. Moi, il bavarde bien même. Ah. Mmh. Oui, oui, c'est attends, elle m'a dit pour lui, t'as dit. C'est après lui, t'as demandé non. Ouais. Laisse-moi parler. Tu veux parler? Elle est l'avocat. Alors, ça. Allez, attendez-moi, comprendre. Andiès là. Moi, je l'ai connu au classique. Ok. Elle était vraiment petite au classique. Après, il la retrouve, elle continue de rapper. Nous, quand on est sorti de classique, tout le monde est rappé au classique. Quand tu continues de rapper après le classique, c'est que tu as envie de faire la chose. Donc, je vois qu'elle est dedans. Elle était beaucoup, mon vieux père Smile. Et puis, T14. Smile de l'équipe type. Ouais. Ok. Et puis, T14, tu vois. Et puis, elle a fait son son cotisé, ça tourne bien. Mais je vois que sur Twitter, les gens se moquent d'elle. Elle vaut rien. Moi, pourquoi écouter bien. Tu vois, non, écoute 2-3 sons. Donc, un jour, il est mauvais. Écoutez, son son, là, comment ça s'appelait? 2018 ou même 2019. Non, c'est un chiffre. C'était un freestyle. Un freestyle. Ok. Ça va, elle a monté sur Caterpillar. Un truc quoi. Bon. Mais écoutez, il kiffe. Il voit qu'elle n'est pas nulle. Elle est plutôt forte même. Okay. Tu vois, non? Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont sur elle comme ça. Non, moi, ça devient ma bonne petite. Et j'ai ma race et elle. C'est ma bonne petite. Quelle race? Oh, genre, on se promène ensemble. Quand il est au studio, souvent, il appelle. On a un son Oracle qui n'est jamais sorti. On était beaucoup ensemble. Tu vois, elle était dans son coin là. Comment on appelle ça? C'est lui qui a les références. Big Swell Manager. Yeah. Encyclopédie du rap, il voit. Bélec, elle est dans Jazz. Poloville, donc on lui donnait la force. Mm-hmm. Pour être clair. Comme ce que votre camarade a fait sur moi. C'est leur camarade. Tu pas derrière des sons. Tu retweets. Tu retweets des sons. Tu vois. Donc, on était vraiment ensemble. Ouais. Et puis, un jour, il y a eu. Moi, il parle. Hein. Vas-y! Il y a eu concert de Polo. Il me trompe. C'est un concert de Polo. Juste après la mort d'Arafat. Bélec. Il avait déjà annoncé, il avait déjà pris la salle à Majestic. Moi, c'est le premier hic à Majestic. Il avait déjà pris la salle. Et quand nous, on partait là, on s'en va en Bonny. Il n'y a pas de voiture. On prend taxi, ça prend tout le monde. Et puis, on s'en va. C'est-à-dire, combien de personnes? C'est moi, de mon côté, passe à Sina Kassi et prend Andy. Il me rassure sur nous, on s'en généralement à 3, ou même si Bélier, moi, on s'en à 4. Mm-hmm. Non, c'était le bon qui était là. Il me rassure en 10. Et puis un jour, il a fait le même programme, juste après la mort d'Arafat, là, le concert est en train de flopper un peu. Mm-hmm. Tu vois, non, parce qu'il y a la mort d'Arafat, les gens ne veulent pas aller faire concert, tu vois. En train de la date, casser ce truc. Donc, moi, il appelle, on dit, c'est comment on fait en bouger. Il est presque là, il m'a appelé.
Elle dit, elle ne va pas. Il commence, elle dit, concert, ça là, c'est flop. Il dit, que ça, c'est à notre niveau. Non, allons faire concert. Mais elle dit, elle sent que c'est un flop, elle ne veut pas partir. Donc moi, je lui disais, non, ça, c'est pas à notre niveau, allons. On s'en soutenir nos morts. Okay. C'était conseil pour l'eau. On s'en chez nos morts, allons-y. Elle dit, elle ne bouge pas. Elle a appelé Raïm. Raïm dit, il a causé. Andy dit, elle ne vient pas. Que lui, maintenant, si on parle de Andy, il ne veut plus entendre quelque chose. Okay. Et que tu vois comment Raïm donne sa poitrine dans l'affaire de Polo. Ouais. À cause de. Andy S. À cause de Polo. Okay. On se rassemble, on s'en va. Après ça, moi, il sort sur Andy en gêne au Maras, tout ça. Et lui dit, ah, toi, la dernière fois, à ton truc là, c'est pas la bonne science. Oh, Kaja, faut laisser ça. Oh. Moi-même, il était fatigué. Bon, ça, c'est les petits trucs. Une fois. Mais elle a fait ça peut-être 2-3 fois. Dans le rap, il voit, quand on organise un mouvement, à pas caché. Tu vois, c'est-à-dire, chien mange pas chien. Entre vous-même. Entre nous-mêmes. Okay. Moi, mon mouvement que moi, j'aimais faire, si Béli vient chanter, il vient chanter. Il n'y a rien. Si il est dassé, il est dassé. C'est mon moment. Tu vois, non, c'est con. Entre nous, c'était comme ça à l'époque. Et je vois, on fait un mouvement. Elle envoie un manager. elle a mis un manager au milieu. Tu vois, non? Donc, je me suis dit, bon, ça là, tu peux pas empêcher un artiste de demander son cachet. C'est ce qui est normal. Tu vois, non, mais. Ok, on a causé, lui, on a géré la Maras. Un jour, moi, elle m'appelle pour venir l'aider à organiser sa release. Moi, c'est ma bonne petite. Je suis allé. Et sous les chaises. Et sous les chaises. Non, je vous dis, honnêtement, peu pour en dire, ça m'a fait un peu mal quand même. Ok. Il est sous les chaises là-bas. Avec, comment il s'appelle, Yungi. Vous vous rappelez Yungi? Vous vous rappelez Yungi? Chama des Blancs. Chama des Blancs. Bon, non, moi, c'était vraiment ma bonne petite. Je suis venu l'aider. Non, place les chaises là comme ça. Bon, laisse. Va t'apprêter. On a coordonné la science, tout. Et puis nous, maintenant, on vient faire nos concerts au Racop. J'appelle Andy. Elle me met dans les mêmes marasses. Bon, moi. Les mêmes marasses des managers n'ont qu'à venir. Il dit, moi, je viens soulever les chaises chez toi, frère. Moi, je viens soulever les chaises pour placer les mouvements. Le grand Kaja. Quand même. Il n'y a pas Maras, c'est organisation. Je suis venu t'aider. Ah non, chaud. Elle me met dans plein de longueur. C'était un manager qui est aux États-Unis. De l'appeler, il me parle en dollars. Il dit, ma belle a réussi. Moi, elle n'a pas dit que tu ne peux pas empêcher quelqu'un. Ah, tu te rappelles son nom? Sur Twitter, oui. T'as ta mémoire. Mais il ne veut pas parler. Toi, tu vas parler. Tu vas parler. Mais plus on avance, plus je vois des gens qui quittent dans son affaire. Quand il demande, ah, elle m'a fait un oui là, c'est bon. Il demande. Et puis, Ika, elle est restée, elle est dans son truc là. Elle avait un ami qui s'était collé, c'est le camarade de lui. Hein. Ok. Un jour, Kevin Naïba, Charles. Un jour, je suis sur Twitter. C'est-à-dire, quand il dit l'ami là, c'est moi plus Béli. Le dernier qui est resté, elle. Il le voit en train de dénigrer maintenant. Il dit, mais c'est que c'est flosté. C'est flosté. Mais c'est que c'est une flosting de gros standing. Donc, en vrai, c'est quelqu'un qui a une force. Elle a force science. Elle a très force science même. Mais bon, c'est la vie. C'est dommage. Hein. Elle n'est pas vraie, en fait. En conclusion, elle n'est pas vraie. Elle n'accorde pas le même respect. Elle a force science. La même considération. Elle fait genre, mais en vrai, c'est pas... C'est une profiteuse. Vous étiez en couple, non? Mais... C'était mon asso. Quand j'étais ma badée. Ça paye moi-même. Je pense que ça paye... Une période de traîner beaucoup, mais on dit est-ce que Kaja aussi a ouais. Les deux, ils étaient vraiment fraissants. Mais pourquoi tu fais quoi? Les deux, elle. Je croyais qu'ils étaient fraissants. C'est un peu ça. Mais non, par rapport à la Flasso, tu es satisfait de ta question? Ouais, il a pas répondu, c'est Kaja qui a parlé. Non, il a faillé. Tous les détails, il a donné. Non, il y a faux, il y a vu dans la casquette rouge. C'est bien chaud. C'est bien chaud, quoi. Relax, c'est français, c'est si faux. Mais déjà que la question de Flasco est finie, moi j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Tu as un feat avec Didi B? Non, on n'a pas fait. Pourquoi? J'aurais appris. Et c'est toi qui as appris. Que attends, il va nous apprendre aussi. Les sous-proches, que genre, comme je suis trop frais, c'est d'Imra, à quoi c'est les sceptiques sur la chanson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un son. Deux séances, quoi. Que ouais, si ton temps arrive, que mon deuxième, tu me fais ça une fois, deuxième fois, tu me fais tes relances plus. C'est que Triba m'a fait aussi. Triba. Béli, tu l'étais, mais. Quoi, Triba? Moi, lui, pense qu'il n'y a pas de score. Il y a son projet qui est sorti ou bien qui sort de temps. Le Sky m'a fait ça aussi, mais après, il a vu que la Zaye m'a appelé, il a besoin de manquer. Il a vu, excuse-moi, il y a faute. Moi, c'est pas compliqué. On va faire un oui. Si tu veux pas, tu veux pas. Tu vois, non? Mais c'est la partie où tu as fait ça. Tu as fait ton programme. Alors que Shadow, son programme est compliqué. Tu as fait ça deux fois. Ouais, tu me fais ça deux fois. Il te relance plus. Il laisse quoi.
Puis après, maintenant que ça arrive dans mes oreilles, que, ah, que toi-même, est-ce que tu sais pourquoi depuis là, même ça ne se passe pas, que c'est con, c'est con, que... Mais le bruit de c'est le bruit de quel couloir qui est venu vers toi? Voilà, c'est il ça. Il ne peut pas dire le nom des personnes. Ça, c'est toi, Jen. Ça, c'est moi, il ne peut pas dire le nom des personnes. Pourquoi non, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est... Ils n'ont pas bateau, quoi. Ouais, faut pas être un nom. Mais sinon, ce n'est pas une seule personne, c'est deux, c'est trois deux personnes différentes. De son entourage. Oui. Qui ont travaillé, lui, bien, contre, qui viennent me dire que toi-même, la même. Et souvent, ils postent Imran en statut, que toi-même, la même. Imran, même, tu le postes, poste au moins. Et c'est que ça coûte ça coûte ça, même. Tu dis qu'il est déçu le film. Ah. Il dit ah, ok. Mais est-ce que de là, là, tu peux nous expliquer en mettant le discours Didi Imra? Imra ah, ça, c'est les deux. Son, on a demandé les deux. Problème avec Didi. Ah, Kadé. Aussi. Il m'a jamais expliqué. Oui, c'est que je m'en ai eu le courant des moments. Non, mais ça, c'est pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Sinon, c'est ça. Sinon, c'était. Ça ne nous concerne pas directement. On était censé le faire, mais bon. Ok. Avant, vous étiez censé le faire, vous aviez déjà parlé. Il y a WhatsApp. Je vais se jouer les Alain Foucault. On parlait sur WhatsApp, lui a envoyé le way où il a validé. Yeah. Après, il va dire ouais, on a cassé. C'était quel son? Yeah. C'était quoi? Un type beat. C'était un faux drill. Ouais, un faux drill. C'était en 2022. Début de Maïmouna. Parce que début de Maïmouna. Après ça, il a dit que non. Genre, lui a envoyé un refrain. Il a dit le refrain, il aime. Mais lui, il aime plus quand c'est pécho. Au studio. Pour développer. Ok. Il n'y a pas d'adresse. C'est là, il a calé la deuxième séance. Il réveille mon vieux, mon Shadow. Comme à quelle heure? À mon arrivé, Shadow. On est là, on l'attend. Non, c'est dans tout l'âge, j'arrive. Le bas. Après moi, John Pisse, moi, il lui a pris ça, c'est là, moi, il lui a plus écrit. C'est resté comme ça. Donc, c'est resté con, il a osé. C'est pas comme s'il y a un truc, mais c'est resté con. C'est resté con. Voilà. Il n'y a pas bad, quoi. Voilà. Maintenant, il voit souvent, à cause de son discours, en tout cas, il voit les morts de la conspiration. Font les tweets, je ne sais pas s'il y a un bifèrement, parce qu'il s'est ami de Kadja ou bien. Mais si tu vois les voix de la conspiration, c'est que. Il y a des choses qui se disent, tu vois, non ouais, peut-être ouais. Ils ont un groupe et tout et tout. Okay. Jusqu'à présent, le jour le mot, il le voit, mais il le salue, comme s'il n'y a rien, tu vois, non maintenant, s'il y a un bif aussi. Ah, c'est ton grand dos, tu le vois, attends, le saluer. Ah, comme... Le cas DJ. C'est la bonne réaction. Le DJ, quand tu plais, tu es à l'aise. C'est pas comme syndicat. C'est pas comme syndicat. Flasco, écoute ce qu'il dit. Moi, c'est pas comme syndicat. Syndicat, pourquoi? Les wakes ne me concernent pas, ça me concerne pas. Quoi. Maintenant, c'est quoi qui ne concerne pas le syndicat? C'est toi qui ne concerne pas le syndicat. Les wakes ne me concernent pas, ça ne me concerne pas. Tu fais clash, DJB. Tu as mis, tu causes les deux, tu viens prendre position. Ah bon? Mais il y a les sons. Toi, tu n'as pas kiffé ça. Il y a vu ça dans ton son, conjugaison, même. Faut pas. Ça ne te concerne pas, tu comprends pourquoi. Et puis, c'est une 15 bits. Ça aussi, c'est un autre truc. Bon, c'était pour. Pas du riz. C'était pour. Il va serrer ton cou. Il a tweeté, il voulait bader sur ça. Y a pas de. En vrai, ça aussi, c'est un deux. Ça ne me concerne pas. Il y a un faux, il y a un faux. Ça sent eux. Ça sent eux. En fait, Billy, il n'est pas quoi tout ça sort. Il voit, il voit. Non, mais il y a une question. Il a dit que je suis dans la chanson, il dit il n'est pas venu. Ok. Ah non. Ah donc, il y a la chanson qui arrive. Lui aussi, il l'a dit dans la chanson. Oui, il y a la chanson qui arrive. Ouais, affaire de Napoléon. Le problème, c'est que. Ici, tout le monde est la paix, il n'y a pas de discours beaucoup de personnes. Sinon, s'il y a un discours beaucoup de personnes, il y a beaucoup de noms qui allaient citer dans ma journée. Cite trois noms. Quoi. Justement, il n'y a pas de discours beaucoup de personnes. Ok. Ça, le souci. Ok, n'en dis pas plus. Flasco, refais un peu la voix de Didi B. Hein. Shogun e Bayo. Shogun e Bayo. Ça sort. Ça sort. En tout cas, ça, c'était la session. Question de Flasco, moi aussi, j'ai mis un peu ma question dedans. Kadja m'a mis pour lui tout ça. Kadja m'a mis pour lui dedans. Ça sort, les Alain Foucault, elle est là. Hey, il pose les questions. Regardez comment il a signé. Les gars, c'est un peu pour Kadja ou Alain Foucault. Alain, c'est le buet de Ligueux. Aujourd'hui, j'ai pas mis ma veste. Merci à tous ceux qui ont kiffé ma veste en ensemble. Je voulais me jouer les chèques Ivan un peu. Mais à frère, la casquette. Bilek, tu as vu, non? Ça sort, Bilek. Merci à ma maman, merci à mon grand-père qui m'a donné la force. Pour porter cette veste et puis en ensemble. C'est mieux. Merci les mogos. Donc on enchaîne. J'espère que nos collaborateurs. Oui. Nos collaborateurs sont toujours là. Les collabos sont là. Les collabos. Bon, faut laisser. Pas laisser. Flasco, on va enchaîner en même temps. On enchaîne, allons. Là, on veut parler un peu de... Puisque vous êtes là dans le game il y a longtemps, vous donnez la force, vous êtes toujours là, vous représentez le mouvement. Moi, j'ai une question. Côté Jay, modèle économique, finance et comptabilité, gestion commerciale, ressources humaines et communication. C'est là-bas que je me suis arrêté. RHCOM. En master. Hein? C'est là-bas que je me suis arrêté dans la connerie. Un master. On a commencé à m'énerver. Ça a commencé à m'énerver.
Non, mais revenons sur le jet un peu. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Fait gestion. Gestion commerciale. Non, pas gestion commerciale, gestion économique. Gestion économique. Non, tu peux gérer ton argent. Mais tu gères, mais qui? Qu'est-ce qui gère? C'est poisson, hein. Il gère. C'est poisson. Oh, voilà, nous allons. C'est poisson. C'est poisson. Il gère. Tiens, bon, Bélec, Bélec, c'est passé. Hey, parle en côte, quand on commence à parler en côte, là, Bélec. C'est pas Bélec, hein. Namzen. Namzen. C'est flosté, ah oui. C'est poisson. Family. C'est la family. On gère, mais comment ça se passe? Genre, depuis 2017, est-ce que ça rentre? Comment ça se passe? Bon, ça rentre, hein. Le vrai problème dans la musique, ça rentre, ça sort comme ça sort. Mmh. Tu vois, quand ça rentre, quand ça sort. Mais c'est pas fixe aussi. Tu vois, non. Mmh. Voilà, et puis il y a des vagues, il y a des périodes tu touches un peu plus que. Mmh. Tu vois, non. Et puis on n'a pas encore, moi j'ai pas encore atteint mes objectifs, tu vois. C'est quoi tes objectifs? Des grands concerts. Mmh. Des concerts pratiquement partout, okay. Dans plusieurs pays. Avec ce genre d'objectifs-là, tu sens pas quand ça sort. Mmh. Tu vois, non. Là, tu peux mieux investir dans ta carrière. Mais de 2017 à aujourd'hui, ça va. Parce que moi, j'ai commencé en production. J'étais sous Shadow. Ok. Aujourd'hui, je suis indépendant. Indépendant, ça. Demande un peu. Hein. Non, mais attends, sous Shadow, comment ça se passait un peu? Moi, je chante seulement. Tu chantes seulement et puis le DJ vient comment? Le DJ vient, on se partage. Mais Shadow, en vrai. Bravo, moi, prestations. Ouais, prestations, stream, tout ça. Ok. Mais Shadow, en vrai de vrai, moi, et Shadow. Shadow n'a pas pris mon argent. Jamais, il n'a jamais pris nos 5 ans. S'il vous plaît, vous posez une question. Vas-y. Vous utilisez quel distributeur? En 2018-2019, là. En 2018-2019, on était truc, non. Les gars, là. KZ. Ouais, ceux, ils travaillaient beaucoup, les artistes. Comment ils sont sortis, vous? C'est Shadow, hein, moi. C'est Shadow. C'est pas nous. On était sous Oracop, et KZ, nous tous, on est KZ. Mais ça rentrait bien, vous avez bien vu, lui. Ouais, il était tranquille, hein. Il a dit Shadow, prenez pas mon argent. Mais lui a confirmé que lui aussi, apparemment. Donc, là. Ah, Charade à toi, hein, mon vieux Shadow. Non, c'est autre chose. Hein. Charade à mon vieux Shadow. Hein. Je pense que les gens doivent savoir ce qu'il a fait pour le rap, ils voient. C'est pas que pour nous. Applaudissez pour Shadow. Shadow Chris Beat. C'est pas pour nous seulement. Hein. Okay, il a fait ça pour beaucoup avant nous. Il a travaillé All Black, il a travaillé Kiff No Beat, il a travaillé beaucoup avant nous. Bob Dena. Et il a fait ça pour beaucoup parmi nous, tu vois. Non. Donc, moi, à un certain moment, justement, à ça là, que je vois là. Le gars met son argent dedans. Il gère les sons, il gère les clips. Petit là, en ce moment, c'est petit. Petit là qui ressort là, il ne touche pas. Tu vois? Donc, à un moment, il lui a dit, Joe, moi, là qui est rentré un peu, tu ne touchais pas là. Ça arrivait un peu. Il peut me gérer moi-même. Il peut te gérer. C'est dans quelle année tu lui as dit ça? Il a bougé en 2020. 2020? Non, 2021. 2021. Après Corona. En 2021, voilà, après Corona. J'ai fait mon année 2021. Il commence, je suis toujours dans la production. Mais je commence à ne même plus lui demander. Tu vois, non, je ne soumets pas forcément mes projets. Tu vois, il y a mon son, j'aime, il écoute. Eh, c'est pas mal, hein. Il m'a organisé mon seul, il fait ma chose. Mais il était toujours sur raccord. Un jour, il m'a dit, il a fait un truc, il ne sait plus c'était quoi. Je sais pas, c'était interview. Il m'a dit, mais tu fais le oui, tu ne me dis plus. Tu vois, non. Alors que c'est le nom de raccord. Ouais, il va. Donc, au moins, il faut me dire. Il a dit, oui, vous voulez, tu parles de ça, mais à quel moment il a bougé. Ah, ok, donc c'est comme ça. J'essaie. Il était en train de voir si moi-même je peux. Tu vois. Et puis il m'a dit, ah, mais Fallen me dit. On s'est entendu. C'est toujours chez lui que je travaille. Il y a un dealer, lui. Et on est au calme. Ça sort. Ça sort. En tout cas, pas de palabres. Shout out encore à Shadow Chris. Hein, et puis merci pour tout ce que tu fais pour la culture, mon vieux. En tout cas, shout out à mon vieux Shadow Chris. Spécifiquement, merci pour Cubisme. Cubisme. Voilà. Cubisme. C'est ça. C'est un problème. Ah, ok. C'est okay. Mabé, c'est un grand projet. Non, calme un grand projet. Faut te calmer. Non, c'est ça, je suis un peu fatigué. C'est bien fatigué. Comment on appelle? Ils sont des Dragon Go deux jours. Hello. Bon. Ok. Donc. L'aigle est normal. Comment on appelle? Hello, Canada. Bélé. Bélé. Hey. Tu dors pas à nuit? Coup de poing. Pose vers. Non, y a rien. Béli et toi, modèle économique, comment les jetons rentrent? D'ailleurs, est-ce que tu travailles avec quelqu'un? La source de revenus. Ouais. La source de revenus, c'est les mêmes sources, hein, c'est prestations, c'est streaming. À les mécènes aussi, souvent. On voit que c'est tout, les gars. Volume. Ça vient, moi. Ça, c'est ça, en fait. Il y a les prestations, les streaming. Tu vois,
y a les mécènes aussi, les publicités, le branding, tu vois. Plus souvent, les gars, les gens qui veulent aider. Qui comme qui, quoi bon, moi, Axelito. Axelito. Lui, il n'aime pas se faire voir, donc. Mon vieux, moi, je te vois, même si tu n'aimes pas te faire voir. Axelito. Ok. Donc, c'est lui qui déclare un peu. Maintenant, par rapport à Shadow, c'est pareil. Yeah. Mais moi, en vrai, à part les sons où il est fait avec Shadow, yeah. les sons solo, c'est moi-même qui me suis géré depuis. Mes clips, quoi. Yeah, yeah, yeah. Les sons, c'est toujours pareil jusqu'aujourd'hui. C'est chez Shadow, il fait tous mes sons. C'est lourd, c'est voilà. lourd. C'est chez Shadow, il fait. Comme Kadja aussi, je lui ai dit, ah, viens, tu n'avais pas dans moi aussi. Hein. Mm-hmm. Tu as là, dans mes streams, là, pour quand ça va venir pour un pourcentage au moins. Mm-hmm. Au moins, ça, tu vois que. Je vois que. Tiens. C'est ça. Cadeau, yeah, là, ça pote. Voilà. Ok. Mais toi, tu n'as pas fini. Ah, c'est là-bas, tu touches l'argent. Voilà. Parce que toi, tu travailles à côté, ah, non? Mais tu parles de musique. Là, moi, c'est artiste. Moi, c'est pas tout. Donc, tu as arrêté de travailler. Je travaille, mais ici, là, ici, je me pose question sur musique. Et si tu me poses question sur YouTube. Donc, quand tu travailles, tu n'es pas gêné? Il y a un feuille. Non, tu ne vois pas qui vient là-bas. C'est Jean-Noël Ndjoué. Non, il n'a pas la haine au travail. Jean-Noël Ndjoué. Il a dit Jean-Noël Ndjoué. Jean-Noël Ndjoué. En tout cas, ça sort. En même temps, un peu hors sujet, il y a ton petit frère qui est dans la musique. Ouais, le Youngem. Le Young. Les traînés. Les a allumés sur son projet. Les chansons. Lui, il avait écouté, non? Oui. Il a allumé ses deux grands frères. Oui, il était dit. Il me ramène la lac et un belec. La lac sur le son. Il a fait quoi? La lac. Il faut lui dire ce qu'il s'est dit. Toi, il faut lui dire, c'est pas toi qui l'as dit. C'est le canard. Il a lac. C'est en anglais. Il n'est pas sorti. Son verse n'est pas sorti. Il a badé. Ça veut dire quoi? Il a badé. Couplez les rimes sur. On est dedans. Mais il a frosté. Il a frosté. Il n'a pas bon. C'était trop bien. Genre, son couplet n'était pas le plus. C'était pas, tu vois. Bon, c'est les appréciations. Yeah. Le couplet n'était pas couplet. Yeah, voilà, c'est ça, il dit. Non, le troisième couplet, c'était le couplet de Béni. Le troisième couplet. C'était oui, c'était le troisième couplet. Non, dans le rang de ce que j'ai aimé. Ok. Le premier couplet. Le couplet des pays frères, là, d'abord. Voilà, c'est ça, il dit, là. Après. Parce que Young M a fumé les deux, là. Mais Young M, couplet qu'il a posé, là. Bilek, voilà, shout aussi à lui. Même un garçon sérieux, même pour allumer sa voix. Faut se mettre bien. C'est son oui. Ah, il était trop à l'aise sur le truc. Yeah. Comment toi, tu vois les oui à Super Vilain Gang avec ses petits. Oui, c'est des débrouillards. Ils se débrouillent. J'ai le oui. Animal. Ils font leur clip. Ils avancent un peu en bruit. C'est la meilleure science. Il a fait ça. Ils ont leur beatmaker, ils ont leur studio, ils ont leur. Qu'est-ce attends, il a fait ça, hein. Il dit. Il dit, dans le son, il dit, on se débrouille nous-mêmes. On ne peut pas compter sur nos grands frères. Nos grands frères ne sont qu'un, c'est débrouillé. Il a appelé à même te dire, toi, petit, tu clashes pas. Il dit, la grandeur, c'est cherché. Non, c'est débrouillé. Il dit, c'est cherché. Namzen. Oui, il a plus les grandeurs, lui-même, il est en train de se chercher aussi en bas. Non, mais le mental, cet état d'esprit, c'est le bon. En tout cas, force à eux, hein. Yeah. On voit en tout cas les morgues, on voit. Ouais, on voit en ensemble. Ça arrive en tas aussi. Yeah. Mais pourquoi toi, tu le laisses rentrer dans la musique, quoi? Ça, tu veux le mettre dans le problème. Modèle économique, là. Pose question ça, là. Même. C'est ça qui le pose. Tu veux le mettre dans le problème, ça, en fait, c'est un poids, Simon. Même. Mais tout ce qui va faire ça, moi, on va dire ça à quoi de moi. Ah, ça, c'est maman. Maman. Mais il fait comme toi. Ou bien. Fais pas comme moi. Même coiffure, là, même. Souvent. Coiffure, c'est moi, il fait comme lui. Ah, c'est toi qui as fait quoi? Oui, c'est vrai. Ok. C'est pas comme moi, il est dans sa science. Mais est-ce qu'il a la haine? Est-ce qu'il a la haine? Lui, il a la rage. Il a la rage. Il est fâché. Moi, il a la rage. Il est fâché même. Yeah, foi. En tout cas, bon, comme il dit là, c'est mon petit, s'il veut le truc. Moi, il le soutient comme il peut, quoi. Mais lui-même, il voit les réalités, tu vois. Ok. Donc, c'est le temps qu'il parlait dans sa chanson. Que tu te débrouilles. C'est débrouille. Ah, le dégât. Il a dit les dedans. T'as des dedans aussi, c'est des limas. Il y a la famille. Nolivet, est-ce que Nolivet est là? On a parlé, on a oublié Nolivet un peu. Noli. Je suis là, toujours là, je suis là. Il y a Foy. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Aujourd'hui, il n'a pas porté de fourru. Voilà, il m'énerve. Pas de fourru dans les podcasts. Pourquoi? Pourquoi je veux venir là? Les réponses. De la prochaine fois, tu vas fourri dans la vidéo. C'est que ils ont commencé à faire beaucoup de bruit. Ils ont posté photo de fourri là une fois. Une fois. C'est technique aussi. Elle découvre une dernière fourri là. Elle est noire. Elle est noire. Elle est noire. Elle est noire. Elle est noire.
pas t'amuser. C'est comme Ragnar, vieux. Un Nusra. Faut pas t'amuser. Et Grizzly. C'est Bélec là-bas. Bélec. Dans les forêts blanches. Blanches de l'Alaska. Mais bien lui, quand il sache mon épaule, quand il sent qu'il doit aller passer encore mieux. Les trapèzes doivent être vraiment lourds. D'accord. T'as mis le dos flamingo, quoi. Le dos flamingo. Le dos flamingo. Il connaît. Le dos flamingo. Le dos flamingo. Namzé. Namzé. Ça sort, family. Tu connais. Non, il est fort. C'est flosté. C'est flosté. Yeah, sinon, Noli, tu as une question à Kadja ou JN. Vas-y, attends. Donc, les deux questions. Okay. J'ai deux questions. La première, c'est pour les deux. C'est quoi vos inspirations pour vos inspirations musicales? Et puis la deuxième, c'est pour Kadja. Est-ce que le fait que ses parents ne veuillent pas qu'il fasse la musique a impacté sa carrière ou bien sa musique? Qui ça? Moi. Ouais. Ok. Kadja. Ok. Très inspiration bon. Musicale. Yeah. Musicalement, moi, j'écoute beaucoup Booba. Je pense qu'on le sent, non? On le sent pas? Attends, on sent que tu écoutes les morts de Youssoumba. Booba n'est pas le pourri. Il t'écoute. Tu écoutes JN. C'est flosté. J'écoute beaucoup de Booba. Ouais, vas-y. J'écoute beaucoup de Drake. Yeah. J'écoute beaucoup de. Ouais. J'écoute Drake. Beaucoup de Niska. Charo. J'écoutais beaucoup d'Arafat. Ok. J'écoutais beaucoup d'Arafat. Et puis en ce moment, j'écoute le rap ivoirien. Ouais, le rap français ne me tient plus comme rap ivoirien, t'écoutes qui comme ça? Deux, trois rappeurs que t'écoutes quotidiennement actuellement. Quotidiennement, j'écoute Imra beaucoup en ce moment. C'est le dernier à avoir drop des projets. J'écoute beaucoup Tripa. J'écoute beaucoup Tripa. J'écoute beaucoup JN. Belly. Et Syndicat. J'écoute beaucoup Syndicat. Ok. Et puis 8 Guns. JNZ. Fireman. Et ça, c'est mon vieux Baba! Ah, j'écoute moins. Qui ça? J'écoute moins. Pourquoi? J'écoute depuis moins. Le beef? J'aime bien quand il rappe. Donc, à ce moment, il rappe pas? Quand il rappe, j'écoute. Ok. Mais c'est pas ce qu'il fait beaucoup en cette. Sinon, quand il rappe pas, il fait quoi? Et il a beaucoup de chansons, Didi, il chante. Il chante quoi? Il chante. Sa dernière chanson de succès, j'ai écouté. La fois, il s'en sort. Shout out à mon vieux Moro Sobi. En ensemble. La Sobaï. Qu'est-ce qu'il y a? T'as garé ou bien? Non, lui, c'est le saint. Non, ça va vite. Lui, c'est le saint. Non, c'est mon vieux Moro, mais il n'y a rien même. C'est le vieux Moro de Yannick Sissé. C'est le vieux Moro de Yannick Sissé. Il fait big up, big up. Il dit big up à mon vieux. Non, mais j'en ai. Deuxième caméra. Big up à mon vieux. Troisième caméra. Big up à mon vieux. Big up à mon vieux. Les Moro ne prenaient pas moi. C'est le vieux Moro de Yannick Sissé. C'est Yannick Sissé qui doit se racheter. On était dans un space et puis là on avait Sogbi. Attention. Et lui a PDD. PDD. Ah. Pas de drap. Sinon toi, Jen, vas-y. Bon, nous on a commencé à écouter section. Section d'assaut. Ouais. Section d'assaut. Dès qu'ils t'ont envoyé. Il y avait Gims et puis le truc, Lefa. Lefa, ok. Mais Masca aussi me plaisait bizarrement. Yeah. Ah, pourquoi bizarrement? Tout le monde disait qu'il était nul en fait. Pourquoi j'ai voulu là, t'as vu de bizarre? Généralement, les gens le trouvaient nul. Mais moi, moi j'avais un problème avec sa voix. Ouais, moi aussi. Et il avait trop de phrases. Trop les phrases nées. Dans la section. Il y a le seul qui faisait punchline. Niska, Nino. Ça sort. Il y a qui fait Asake aussi. Asake. On n'est pas des rappeurs influencés. Non, c'est pas Asake. Toi, tu es influencé par Asake. Ah, le temps, il parlait. Non, moi, il kiffe Asake. Mais pourquoi tu ne mets pas dans les jupes, les oui, tout ça, comme Doty? C'est pas influencé par lui. Mais tu écoutes. Ok, ok, Agacho. Ça sort. Et dans le rap, il voit actuellement, c'est écoute qui? Actuellement, c'est Chete. Kadja. Kadja, Chete. J'écoute les sons de Didi aussi. Didi, quand il chante, ça me plaît. Quand il chante. J'aime plus ses sons chantés. Quels sont bons? Son dernier son, le succès, ça me plaît. Le succès. Ouais, c'est lui qui me fait écouter ça beaucoup. Sinon, toi-même, tu n'écoutes pas ça. Moi, je ne suis pas allé chercher. Ça tournait sur TikTok. Lui, il écoutait ça tout le temps. Il est aimé en même temps. Ça me plaît. Ça sort. Il écoute Zray aussi, cette fois-ci. Le Zray. Ouais. Bélec. Ça, c'est mon gars. Ah, Bélec. Je le sens avec lui, Zray. Le Zray. Essaye, t'as vu dans sa souris. Ah bon? Namzin, il y a quelque chose qui arrive. Namzin, c'est flosté. Ça va brûler la famille. La deuxième question de Olivier, c'était laquelle? Elle dit c'est personnel. C'est c'était pour moi. Elle parlait de. Yeah, ouais, par rapport à tes parents. Tout ça. Oui, forcément, ça a joué. Par rapport à ses parents. Forcément, ça a eu un impact. Parce que
S'il n'avait pas fait ça, peut-être j'allais commencer la carrière plus tôt. J'allais commencer depuis 2013-2014 là-bas. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu. Mais ce n'est pas à regretter, en fait. J'ai appris des choses à l'école. Hein. Moi-même, je conseille aux gens d'aller à l'école un peu. Souvent, il y a des débats sur les réseaux. Yeah. C'est parti un peu à l'école. Donc, je pense qu'ils m'ont aidé en faisant ça. Ce n'est pas forcément vous chercher. Il faut s'instruire. Il faut s'instruire. Chercher l'argent, merci. Il faut s'instruire. C'est clair. Mais quand ils ont vu le gel là, tu comprends pas où. Est-ce qu'on peut faire une corrélation? Quand t'es dit, tu comprends mal. Est-ce qu'on peut faire une corrélation de quoi? Corrélation. La canadienne, t'es laisse pas. On fait plus corrélation. Est-ce qu'on peut le faire? Mais comment on appelle ça par rapport aux jetons? Par rapport aux jetons. Genre, est-ce qu'ils sont satisfaits maintenant quand ils voient que là? Ouais, ça va. Mais c'était pas, au début, c'était pas quoi l'argent. C'était à quoi, quoi? Les camarades là, ils prennent leurs enfants pour venir. Hey, ton fils est là, il avait fait photo. Hein. Mon enfant est venu, il n'a qu'à venir faire sa photo. Donc ça a commencé, ça les touche. Mon daron, par exemple, les professeurs. À l'université, les gens lui demandent si c'est... si c'est lui le vrai Kadja. C'est lui le vrai Kadja. Parce que le vrai Kadja, c'est mon nom de famille. Yeah. Voilà, donc, yeah, c'est le nom du vieux. Ça sort. Ouais, quand tu vois, les petits trucs comme ça, ça a commencé à les toucher. Ils ont vu que c'était un peu sérieux, ça a commencé à prendre. Et puis après, l'argent. L'argent. Ça sort. La guerre. Ça sort. Ça va. Le Maurice Fadi est trop cassé pour François aujourd'hui. Hein. Wahid Abdoul, science, hein, la vidéo là. Wahid, c'est pour rien. Il y a une réputation à entretenir, Namzé. Flasco. Oh, on ne coupe rien. Par rapport au Jay. Wahid, s'il te plaît, tu ne coupes rien. Ok. Tu t'as dit que normalement, quand on finit l'émission ici, toujours, on a un petit poulet qu'on s'en mange. C'est notre tradition, toi, tu sais. Ouais. Donc, comme on a fini le sujet, genre. Jetons, tout ça. C'est à qui on doit demander de nous payer le poulet. Ah, ok. Entre les deux vieux morts. Ouais, ouais. Okay. On fait moitié-moitié, c'est rien. Moitié-moitié. C'est nos vieux morts. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Rien. Ça s'applaudit. Alors, nous, on échange comme vous. Hein. Franchement, nous demander du poulet, c'est très léger. C'est léger, quoi. Mathieu, quoi, goat. On aurait pu demander. Caviar. Mieux, en tout cas. Bélec. On allait venir avec des cartons de chaussures. Les gars, après il y a une question. Lui, il est plus poisson, quoi. Poisson. Ok, arrête. Il est revenu dessus. Non, les mamans, ouais. Non, y'a pas de, il faut. C'est un peu, vas-y. Ouais, mais genre, je voulais juste rappeler que je suis très très content de les avoir sur le plateau. Ouais, non, mais là, c'est dès le départ. Dès le départ, non. Anonyme pour écouter. Yeah. Non, venez vous cacher pour écouter. Ah, là, lui, il écoute dès. Il écoute. Tiens, badeur, on sent que tu es un badeur. Moi, j'aime les badeurs. Ouais, il t'en sort. Et puis, c'est le gars de mon mogo. Le samba. Le samba, Charles Samba Drouot. C'est ensemble, ouais. Yeah, c'est mon mogo, c'est quoi, il est deux coups. Au collège, ouais. Donc, c'est derrière la famille. Bilek, hein. Papa, non, mais vous pensez quoi de la science des dénigres? Yeah, yeah, yeah. Sur Twitter, bon, moi, le format podcast. Il y a deux aspects. Vous pensez quoi un peu? Oui, en vrai, c'est pas tout le monde qui peut être allé à la science. En fait. Rien ne fait l'unanimité, de toute façon. C'est pas tout le monde qui peut aller à la science. Donc, à chaque fois, ce que je vais vous demander, c'est, après, vous faites ce que vous voulez. À chaque fois, vous voyez qu'il y a des personnes que ça atteint trop, que ça touche trop, laissez-les. Yeah. Okay. Parce que l'objectif, là, l'objectif, c'est pas de nous faire perdre des artistes. Ou bien, ils ne pensent pas que ce soit votre objectif. Non, on s'ambiance, on bad. Le badding, là, c'est pas être tout le monde. Il y a les gens en classe, là, quand c'est moqué de. Ils n'ont pas qui. Ils ont beaucoup fait des frappes. T'as vu, non? Mais moi, je m'en fous. Lui, non, c'est qu'on est dans le badage. Ils ont tellement voulu me frapper. Il y a des personnes. Moi, ils ont piqué, piqué mon cœur, compagnon. À l'école, mais là, c'est l'amusement. Donc, vous voyez, non. Si vous voyez qu'il y en a qui. C'est pas trop ça. Laissez. Il n'y a pas de temps. Il y a fait. En tout cas, moi, équipe. Sinon, on va se retrouver là. Maintenant, et moi, tu penses quoi, lui, moi? Parce que j'avais été là, j'ai l'air. Allez, là.
la proposition. Il veut breaker ou merde. Ça n'est pas ça depuis Didi. Ça n'est pas ça depuis Didi. Il m'a fait ça depuis Didi. Tu m'as vu en bain à bord. Il n'est pas ça depuis Didi. Ça n'est pas ça depuis Didi. Là, ton lève là. Il dit maintenant et moi. Il y a une dans ta poche. Tu penses quoi de moi? Il y a une dans ta poche. Je vais la question, mais tu penses quoi de moi? En tout cas, vraiment, il voit tes vidéos. Ouais. Yeah. Il voit tes vidéos le sur fla. TikTok souvent. Ça me fait bader comme d'habitude. Je peux ne pas être d'accord avec tes avis, mais après, à chacun, c'est son avis. Calme, calme. En tout cas, l'objectif n'est pas de détruire. Non, yeah, l'objectif, c'est pas pour ça. On non. S'ambiance, ambiance, vous êtes attachement tranquille. De là à là, on met en force à mon vieux, mon vieux, de 14, hein, en ensemble, mon vieux. Yeah. Faut pas fâcher, yeah, mon vieux. On s'amuse. On s'amuse. Voilà quoi. Allons-y. Donc, on est arrivé à la partie de l'émission la plus intéressante. C'est un record. Hein. Pardon, faut laisser on poser nos questions d'abord. Non, on est là. C'est pas fini. Mais moi, je vais poser la question. On est à 2 heures, petit. Faut laisser la parole. Attends, je vais poser pour moi là. Pose ma question, ça vient à monsieur Kadja Kadé du 302. Attends. Bon. Merci. D'accord. Encore, hein. Okay. On vous remercie. Il y a mon petit Malik, il est là, il veut poser une question. Malik, vas-y. Ok, j'ai entendu dans l'espace, M. KDJ302, que vous nattez les gens. Oh. Que quoi natter? Il y a une personne. Nat, comme ça. C'est quoi, maté ou bien? Nat, comme ça. Il y a une personne qui dit. Mais comment ça, on natte les gens? Il y a une personne qui a dit dans l'espace que. Il y a une personne dans l'espace qui a dit que tu l'as natté quand sa tête lui faisait mal, que tu as approché sa tête. Non, qu'est-ce que tu as à dire? C'est nat quoi. Je comprends pas, encore. Vas-y, natté. Vas-y, natté. Ta gamme natté. Mais c'est pas natté en nous si qui veut dire autre chose. Natté, bedra. Natté, je suis coiffeur. Je suis coiffeur quoi. Et qui tu sais? Qui tu sais? Non, mais par rapport. Non. Mais, c'est pas. Tu dis c'est vrai, toi. Non, pardon. Tu sais pas natter. Tu sais pas natter. Mais qui te livre les fourrures? On termine ici, ça. Je cherche. Tu cherches. Je fais de la recherche. Je trouve l'animal. On le tue, c'est dans le dépêche. Vas-y. On enlève le mouvement. Je trouve l'animal. T'es chassant, hein? Ouais, je suis très chassant. Bileg. Je trouve l'animal. Bacalaï. C'est un flaster! C'est le meilleur podcast de quoi du explique-lui! Vas-y! Et moi, il voit Bacalaï, quoi! Le Bacalaï, il localise l'animal! Localise! Et puis, on fait ça bien, puis on va. Mais deux jours en même temps, je suis un peu chassé, et j'ai prêt. Tu es chassé? Ouais! Alors, tu vois, non? Ah bon? Mais qui dit baby, même, Bilek? C'est son frère, son. Non! Il ne peut pas avoir d'animosité. Il n'y a pas parlé. Peut Kizi. Non, c'est fini depuis longtemps. Même avec Didi, hein, ça ne peut pas aller dans l'animosité. C'est du rap. Ça reste dans le rap. Ça reste dans le rap. Ça peut détériorer un peu les relations. Réponds la question. C'est Nicolas qui a fait. Réponds. C'est la gueule du Canada. En même temps, ça peut gâter un peu les relations. Ou bien, c'est mieux. Laisse détériorer. Vous voulez partir vous-même. En couple ou célibataire. Ok. Ah, tu fais quoi ça? Tu fais quoi? C'est pour la culture. C'est pour Pididi. C'est Pididi qui demande. C'est Pididi. Non. En couple ou célibataire? Comment ça? Non, laisse avec les gars. Je suis en couple. En couple. Combien de temps? Garçon qui n'est pas en couple même. Ne me pose pas la question, ça l'est. Laissez combien de temps? Je suis en couple. L'émission est d'ailleurs fouille. Elle s'appelle comment? Ah, lui. Ah oui. On se croit où là? Tu veux faire quoi ça? Et après, il y a Béli. En couple ou célibataire? Laissez ça là. En cas, laissez commencer la question. Moi, mais je sais pas. T'as dit ça va. Je sais même pas où j'en suis. Ousmane Dembélé. Mais moi, il y a une question pour vous. Je sais même pas où j'en suis. C'est rapide, c'est ok. Me concernant. Vous avez pensé quoi de mon dernier clip? Jassaman. Jassaman. Moi, c'est tout ce qu'il a dit. Il est fini par parler. Merci. Rien à faire. J'ai écouté le son deux fois. Franchement, j'ai trouvé que c'était frais, que c'était nouveau. Tu savais bien. Ma vie, mais tu es zogo, hein? Merci. Merci, Olivier. Normalement, là, tu dois venir dire, Alex, là, vous avez quel avis, Mais c'est venu dire, choléra. Attends, il entend prendre un mot en pleine émission. Mais concentre-toi, mon fils, en plus d'appeler. Reste concentré. Aïe. Donc,
Tu as dit que... Mais c'est, non, c'est... Ouais. Apprécié. Non, mais gens, tranquillement... Scientiste. Scientiste. Le Jasaman. Mata, tu as fini de me sauter. Oh, c'est faut que j'allais ton avis, Jasaman. Tu fais quoi? Allez, moi, je cosplay toi. Tu cosplay toi? Kaja, moi, qui fait le clip. Merci. Merci. Adjara, fou. Il y a fou. Donc, tu cherches un peu de force, quoi. Tu nous non, je voulais vraiment savoir parce que c'est une direction... qui m'intéresse souvent en fait. Nous on a partagé sur les réseaux, t'as pas vu pour nous. Ouais. Franchement, ça continue. Je vois un truc qui a kiffé. Franchement, il a kiffé. Il a partagé. Il te donne la force. Tu es inspiré aujourd'hui. Ouais. Ah, John Fils. Va te cogner, va te cogner. John Fils. Va te montrer les preuves du Bachili. Merci beaucoup. On te voit. C'est tout ce que moi j'avais dit. Merci. Merci. Et vous nous avez bougné, vous êtes déplacé. Exactement. C'est déjà quelque chose. Moi aussi, très fier. Surtout toi, quand j'avais dit, écoute, t'es kiffé de ma vie. Ouais, depuis longtemps. Mais bref, c'est qu'il y a celui-là. Il va pas trop parler. Tu vois, regardez, c'est de mon bureau, donc tu connais. Le nouveau projet arrive. Ah, il y a un kiffé encore. On est là pour ça. 31 octobre. On est là pour ça. 31 octobre. On est sur le dénigrant. Il a déjà dit ça, vous connaissez, on ensemble la famille. Ensemble, les gars. On enchaîne rapidement avec la meilleure partie de l'émission. Top 3, flop 3. Applaudissez, applaudissez avant que ça commence. Le G. Top 3. Top 3, les 3 meilleurs que tu actuellement. Kiffes actuellement. Non, actuellement, non. Non, non. Ouais, ouais. Vous ne mettez pas les noms. Faut pas jamais caler. Et puis flop 3. Ah, pas plus. Vous voyez. Moi, je ne peux pas. Non, vous deux ici, vous vous êtes pas dedans. Tu ne peux pas le mettre dedans. Non, reprends. Reprends la question. Reprends la question. Je ne le mets pas dedans dans mon classement. Voilà, tu ne le mets pas. Quoi, non, c'est moi, il ne doit pas mettre dedans. C'est moi, il pose la question, au fait. Ok, avant d'aller. Voilà. Vas-y. Il n'y a pas de. Ok. Bon, premier, allez là, c'est Chété. Une fois. Une fois. Kadja n'est pas dedans, c'est Chété. Deuxième, rap. Deuxième. Andy S. Non. MLT. Non. Didi B. Okay. Deuxième. Troisième. Sobi. Mais et ton petit frère? Ah, tu réfléchis là. Même pas des passes de la famille? Non, j'ai pas. Non, laissez d'être honnête. Voilà, il n'y a pas de. Ok, ok, non, c'est très bien. Troisième. Ouais, vieux. Le plan est passé. Question faite. Ça fait 9 ans. Question pour un champion, mais. Il peut passer, non? Non, tu peux mettre 10 noms. C'est pas de quoi que tu écoutes pas... quand même. Il y a des Bigs. C'est que tu écoutes. Il y a des, Fior. On peut mettre Fior. Aïe. Ok, donc Fior. Flop 3. J'ai déjà confirmé. Mais il n'est pas dans rap, tu vois. Tu dis quoi? T'as pas écouté son bril. Ok, il y a Fior. Allons. On connaît pas. Ramba Junior. T'as dit qu'il faut. Vont. Il a changé de DA, il kick maintenant. il veut se jouer les Kadja. Troisième. Et allez, il rappe pour Kadja. Il y a toujours un problème avec le troisième là. Andy S. D14. La bandite. Si c'était avant, il y a la mettre, mais il a vu que c'est le dernier où il a amélioré. Yeah. Elle va tuiter. En ensemble, la bandite. C'est la bonne petite de. Elle va dire faut pas vous aider la mettre dans le même bloc. Troisième, il y a. D'accord. Troisième, tu ne vas pas. 2-2. 2-2, ouais. Non, top 3, tu as dit Chété. Fior n'est pas. Fior, il ne le met pas dans la. Donc, allons, Chété Didi. Chété Didi. Ouais, flop, Ramba Junior. Et puis, Manager Confirmé. Manager Confirmé. Manager Confirmé est premier. Manager Confirmé. Il y a lui. Il sait qu'il attend ça. Non, moi, je ne sais même pas comment il a fait ça. Je ne sais pas comment il a fait ça. Écoute. Top 3, flop 3, Kadja. Top 3, Imra. 1. Attends, c'est Megou, non? Oui, oui, c'est ça. Imra, comment il s'appelle? Tripa. Il met Tripa premier. Premier, Imra, deuxième. Mm-hmm. Et puis, Djenze. Djenze, troisième. Ok. Djenze. Flop 3 maintenant. Vu qu'on tu m'as dit de ne pas mettre. Yeah, forcément. Maintenant, flop. Manager confirmé. Oh.
Toi, tu veux entendre quoi? Non, mais genre, allez, allez, vas-y, vas-y. Laisse-les parler. Vas-y. Manager a confirmé. Mais influencer les invités. Il faut rien encore. Mais manager a confirmé son vieux morceau, c'est truc, comment il s'appelle même? Rappelle-moi son nom. 47. Attends, dis dernier, dis son nom. Hey, non, manager a confirmé fort. Manager a confirmé fort, c'est pas lui, il parlait. Il parlait pas de lui. Ah, non, c'est pas qu'il était son producteur. Et c'était Lima. Ah, ouh. Et toi, c'était Lima d'abord. Non, laisse-moi répéter. Reprends ton flop 3. Je me suis trompé. Ok, je me suis trompé. Pourquoi vous riez? Ah, vous faites rire. Non. Moi, je ne ris pas à côté de ça. Je me suis trompé. Caméra, je me suis trompé. Après, reprends, reprends. Je parle de caméra. Flop 3, flop 3. Bébé, ça hausse des mains. Non, on n'est pas dans le rap ivoire. Ah, dans le rap ivoire. Moi, je ne vois pas qu'il faut rien. Arrête ça. Je suis pas, on veut pas dire. Je suis pas du vraiment. Style vaurien. Voilà, tu vois, non. C'est... Je peux te dire des gens que j'écoute pas. Tu vois, non. Moi, il y a beaucoup d'acteurs que j'écoute pas. Comme qui? Que tu n'aimes pas ou que tu n'écoutes pas? Non, que j'écoute pas. Mais tu n'as pas des sons que tu as écouté. Lui, par exemple, il n'écoute pas Defty. Ouais, tu as déjà parlé dessus. Sinon, il est fort, mais il n'écoute pas. Ok. Il a du mal. Par exemple, moi, je viens te montrer un artiste. Il n'y a pas parlé de Côte d'Ivoire, là, vous allez me comprendre. N'écoute pas Nekfeu. Ok. Non, moi aussi. Il y a du mal. Moi aussi, je n'écoute pas Nekfeu. Okay. Il y a du mal, mais sinon, il sait très bien qu'il est fort. Il est fort. Il est très fort, mais il y a du mal. Ça ne rentre pas dans mon oreille. Bon, il y a fort. Dis-nous trois noms. Côte d'Ivoire, ici, il y a. Il y a qui même? Qui n'arrive pas à écouter? N'écoute pas. Il a commencé à avoir du mal, alors que j'adorais au début, avec Mala. Voilà. Mm-hmm. Alors que j'adorais au début. Mm-hmm. Il a commencé à avoir un peu de mal. Je sais pas, c'est parce que même lui-même, là, à un moment, il a commencé à avoir du mal. Mm-hmm. Tu vois, non, c'est pas redondant. Il y a quelque... Okay. Il y a quelque chose qui fait que je commence à avoir du mal. Alors que très sincère, Kadja, très sincère. Je commence à avoir du mal avec Mala. Mm-hmm. Je ne vois pas qui. Hein. Le reste, là, j'écoute, franchement. Alors que Mala, c'est parce que j'ai beaucoup écouté, j'ai cherché à écouter. Okay. Et puis maintenant, ça ne rentre plus dans mon oreille. Mais Flasco, donne des propositions. Non, moi, il n'y a rien à dire. Flasco veut dire Bémousse. Non. Non, c'est pas fou. Il ne peut jamais comprendre comment quelqu'un peut dire Bémousse. Bémousse, c'est ton bon petit. Ce n'est pas parce que c'est mon bon petit. Hein. Je trouve qu'il est fort. Le détecteur de Roa. Moi, ça ne pourra pas m'attendre. Lui, il dit, il n'est pas fort. Mais il est fâché avec lui. Lui, dit, il n'est pas fort. Non, Bémousse est trop fort. Il y a fort. Soson est les gars, là. Les super vilains. Les super vilains, là. Ah, quatre mesures, plaies qu'il a posées, là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent aller à ça. Bien move. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais pas à cause de lui. Hein. Pas à cause de son couple. Non, mais j'ai beaucoup aimé le refrain. Où l'a vu une jolie. Mais il a déjà. Ah, c'est que toi, tu t'as vu mal avec Bémousse. C'est ce que tu disais. Elle a vu la commentaire. T'es venu crier pourquoi? C'est ça, en fait, le problème. Non, non, c'est pas. Il a tué son truc. C'est juste que. J'ai vu crier. C'est le timing. Crier. Les gens ont reproché ça à Béli. Mais Béli nous a sauvés. Elle a crié sur Gros Bolide. Il est dédié. Ah, c'est pas crier. C'est pas même crier. C'est pas même dit crier aussi. Vous deux, vous criez. Non, moi, je crie rarement. Toi, quoi? Bon, quand il fait dédicace. Quand il dit crie ça. Ça, c'est pas crier ça. Ça, c'est pas couplet fondamental, fondamental, merci. Couplet fondamental. Mais le couplet est fondamental, non? Non, ça sort, ça sort. C'est fondé. En tout cas, okay, merci encore. Merci. En tout cas, merci mon vieux Kadja de nous avoir accueillis. Merci à tous. Merci la famille. Là, là, on est déjà. Donc, faut-il me défendre? Non, attends, tu connais. Il n'y a rien. À checker. Passe à vous pour la suite, les dénigres. Maintenant, le truc, mot de fin. Onigashima sort le 31 octobre. En ensemble. Onigashima. C'est fini. Et toi? Moi, il peut sortir dans deux à n'importe quel moment. Moi, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Merci beaucoup. Anichi encore, les gars. On applaudit. Mot de fin. Mot de fin. Bon, merci. Chalou Batan. Merci à Dieu. Elle soit à Dieu tous les jours. Chaque matin, chaque soir, elle soit à Dieu. Branchez-vous sur les dénigrants. On ne fait pas ça pour avoir parlé avec quelqu'un. On est là pour la culture. Donc, vous connaissez, on est ensemble. What's up, my big boy, shop boy, my baby, yo, you know what it is, on était dans le space, pas dans le space, dans le podcast très dénigrant de Twitter, mes collaborateurs, merci à tout le monde en ensemble, big S.O. Kadja. Podcast, ils vont nous clasher. T'es revenu encore? T'es revenu encore, non. Y'a qui c'est pas là, dit? Rien! New Africa.